C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, 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 what up, what up. Bienvenue à notre émission de rap politique. Je suis Monsieur de Montréal. C'est Boy Kéké. Aujourd'hui, on a une invité très spéciale, man. Vous savez, à Montréal, il y a un coin qui s'appelle Saint-Léonard. STL. Puis Saint-Léonard a donné naissance à des plus gros rappeurs de Montréal. Mm-hmm. On parle des gars comme Connaisseur Tsikazo. On parle des gars comme Enima. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on a un gars très, très spécial. Ça va être très, très gang-gang pour au moins une heure de temps présentement. On va faire du bruit pour VT. Maxime Noche. Boop, 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 boop. So what's up, VT? On est là, frérot, man. Ça va bien? Ben oui, ça va très okay. bien. Dans la place, après 75 000 requests ouais, déjà, ouais. VT is in the building right now. On est là, on est là. Fait que, pas besoin d'être sur les gardes, bro. On te met à l'aise. On est là parce qu'on aime ta musique. C'est pour ça qu'on t'a invité. Tu comprends, on reconnaît ce que tu fais. J'espère, là. Fait qu'on va commencer depuis le début, parce que j'ai parlé de Saint-Léonard, parce que je sais que Saint-Léonard, c'est un label qui est très respecté au niveau musical. Il y a beaucoup de bons sons qui sont sortis de Saint-Léonard. Je sais pas si tu connais les old school heads, quand j'ai nommé Tsikazo, tu sais, c'est qui? Mais oui, c'est ça. Taiji Diesel. Ouais. Dans le temps, il y avait un groupe, je pense, ça s'appelait STL's Finest. Finest, yeah. Non, tu te rappelles d'eux? Ok, fait que tu connais. Je me rappelle d'eux. Ouais, ouais, ouais. Tu sais qui, là? Ouais, ouais. Ok, parce que je sais que t'es un youngin in the game coming up. Fait que, mais t'es né où, toi? Je suis né au Maroc. T'es né au Maroc, ok. T'es marocain, toi. Yeah. T'es arrivé ici à quel âge? Arrivé ici en 2008. En 2008? Yeah. Fin de mes 7 ans, on va dire 8 ans. Ok, ok. Yeah. Fait que tu te rappelles quand même du bled, comment c'était ben là-bas? Oui, je parle arabe, j'écris arabe. Ah, tu lis, t'écris arabe. Ok, t'es un real. Mais est-ce que depuis t'as le temps de retourner? T'as le temps de retourner là-bas? Ouais, une fois. Juste une fois? Ouais, une fois. Mais je retourne là cet été. Cet été? Yeah. Après tout le Covid puis toutes ces affaires là. Yeah. For sure. Ok. Ok. Fait que t'es quand même jeune. T'es arrivé ici. Fait que t'as fait ton primaire ici. Voilà. Je suis arrivé. J'ai fait l'accueil. Gabriel Roy. Deuxième année. Moi, ça m'a pris un an. J'ai fait l'accueil, directement, on m'a transféré à l'ado versus l'ado. Yeah. Ouais, parce que il me semble que c'est le système français là-bas, fait que c'est un peu plus avancé qu'ici. Fait que c'est un peu facile pour toi quand t'es arrivé, peut-être, un peu. Ouais, c'est, tu sais, pour de vrai, j'ai des vagues souvenirs, là. Pas de penser. Okay, je sais okay. pas pourquoi j'ai des vagues souvenirs, mais okay. l'adaptation était quand même facile. Mm-hmm. Ouais, tu parlais français déjà, puis les Marocains, c'est beaucoup d'influence. Non, je parlais même pas français, pour de vrai. C'était arabe. Ouais, t'es allé à l'école arabe, en ouais. arabe. Exact. Hein? T'es allé à l'école arabe, c'est ça ou est-ce que t'es allé à l'école? Je parlais pas français. C'est ça, tu parlais pas français. Je parlais pas français, je suis venu ici, j'ai appris le français. Vite. Après le français. T'as fait l'école coranique aussi? Ben, au Maroc. Au ouais, Maroc, quand ouais. je suis venu ici aussi, un peu, ouais. Je suis okay. allé dans une sorte d'école secondaire, là. Ouais, ouais. Ouais. Fait qu'ensuite, secondaire, t'es allé à Saint-Ex ou? Ouais. De la syntaxe aussi. Je peux reculer le banc un peu? Ah oui, mets-toi à l'aise. Yo, bonjour. Je sens comme si yo, le banc est en train de m'emprisonner. Ouais. Ah. Tu en vas, toi? Je me sens locked up. Là. C'est pour ça qu'on avait mis un oreiller. On avait mis l'oreiller derrière toi, un gros oreiller, c'est pour ça. Non, quand je me sens emprisonné. Ok. Straight up, il commence à faire chaud aussi. C'est bon, ça. Straight up. Ok. Ok, fait que t'es allé à Saint-Ex, t'as gradué? Non. T'as pas gradué, t'as pas fini. T'as arrêté à quel. Ouais, dans le fond. Saint-Ex m'ont mis dehors en secondaire 4. Oh shit. Après, je suis allé à Anjou. Puis après, tu sais, c'était une heure de bus. Tu sais, moi, j'habitais dans le Brooklyn, tu comprends? Ouais. Sur là, ça me prenait toujours comme si 20 secondes pour arriver à l'école. Ouais. Sur là, c'est le temps, je me prépare. J'ai pas besoin de me réveiller. Je me réveille last minute. Puis yeah. Tout cool. Yeah. Là, ils m'ont transféré à Anjou. Là, c'est une heure de boss aller, une heure de boss retour. J'ai fait fuck that, c'est man. C'est pas encourageant, là. J'ai fait fuck that, man. Ouais. C'est un texte qui a ruiné ma vie, man. Ah ouais, fait qu'ils ont pas, selon toi, ils auraient non, pas ruiné ma vie, mais si je serais resté à Saint-Ex, j'aurais mon secondaire 5. Mmh. Mais quand tu dis ruiner ta vie, c'est quoi? C'est le système là-bas? C'est les profs? Le fait qu'ils t'ont quelqu'un? Non, même pas, Ben. C'est juste que j'ai pas pu finir mon 5. Mmh. Mais est-ce que la raison pourquoi ils t'ont kick-out, est-ce que c'était justifié ou pas justifié?
Mais dans le fond, il s'est passé un incident. Puis ils m'ont suspendu une semaine. Puis quand la suspension est finie, je suis revenu au school. Puis ils m'ont juste dit, oh, t'as foutu dehors. C'est pas une suspension là. Mais comme. Oh shit. Ils m'ont foutu dehors pendant une semaine, je suis revenu. À la fin de ma suspension, ils m'ont dit, oh, t'as foutu dehors. J'aurais dit, pourquoi ils m'ont dit, oh, pour de vrai, on était tanné de toi. Wow. Accumulation de petits trucs. Ouais. T'es enragé, ça. Straight up. Mais c'est... Sinon, quand t'étais à l'école, est-ce que t'avais une vision de devenir quelque chose? Là, t'as... Je sais que tu dis, il faut qu'un médecin, je vais être sauce. Ah, fuck la vénèse. Ouais. Un choix de carrière dans ça. T'avais un choix de carrière quand t'étais jeune ou... Mais un choix de carrière. C'était plus un chemin que je pensais prendre. Ouais. Pas vraiment un choix de carrière. Tu fais pas de choix de carrière. Mm-hmm. Pas toi qui choisis ta carrière. Le destin qui te donne ta carrière, tu comprends? Il n'y a personne ici qui choisit qu'est-ce qu'il fait. Non, mais si quelqu'un mais veut tu peux pousser les choses, tu comprends? Tu veux être un pédiatre quand tu es jeune, tu veux être un pédiatre. Puis tu continues, tu fonces, tu es focus pour être un pédiatre. Tu pourras l'atteindre. C'est le destin qui le fait en sorte aussi, mais c'est toi aussi, la volonté aussi. Ouais. Mais toi, tu es un gars, tu as la foi. Hein? D'après, quand j'écoute tes rhymes et tout, tu es un gars quand même. Pratiquant, plus ou moins, ou... Sûr, c'est mes beats que t'écoutes? Ouais, ouais. C'est les mêmes beats que t'écoutes, hein. Yo, c'est la guerre, qui va monter au ciel. Si tu parles comme ça, ça veut dire que tu crois que, tu sais, on peut monter au ciel, il y a des gens qui vont en enfer. Non, mais je pense que c'est une autre façon qu'il veut le dire aussi. Non, mais... C'était pas tout romancé, comme tu le dis. Non, c'est pas ça, mon gars. Non? C'est pas ça, tu l'as vraiment pas. Ok. Non, man. Mais yo, j'ai la foi, man. Ok. J'ai la foi. Mm-hmm. J'ai la foi, man, tu sais. Young and wild. Ouais. Écoute, que quand t'es sorti, pour moi, t'es sorti out of nowhere avec Vider le clip. Mais j'imagine tu rappais avant ça? Non, j'ai un autre beat avant. J'ai deux beats avant ça. Vidéo, ok. Vidéo, ok. Ah ouais? Mon premier beat s'appelait Hypocrisie. Mm-hmm. Mais je l'ai archivé là, tu peux plus le trouver sur YouTube. Ok. Mais tu peux toujours le trouver à quelqu'un qui l'a reposté, mais la vidéo tu l'as pas. Mm-hmm. Mais ouais. J'ai posté ce beat là en 2016. Mm-hmm. Ok. La date, il y a 80 000 vues. Mm-hmm. Puis là après, j'ai fait un autre beat, deuxième beat avec Ginino. Ginino. Mm-hmm. Pas Sweet Boy. Yeah. Yo, actually, c'est de ce beat-là que je suis sorti. Ben, actually, okay. C'est one of your artist verse for me. La façon que tu rappes, parce que les autres beats, tu vois que t'es mellow, celui-là, c'est comme si t'as berserk, là. T'as snap, bars. Puis Ginino, il y a comme un vibe Chief Keef un peu là-dedans. I'm like, si je regardais, je suis comme, yo, c'est un gros vibe. Mais après, tu vois, t'as juste, après ce beat-là, t'as comme pris un autre vibe aussi, which, les deux, c'est un bon vibe, mais c'est comme si... T'as pas réutilisé un peu le verse de Sweet Boy, on dirait, dans les autres tracks, non? Ben, j'ai pas repris le même vibe. Ouais. Moi, comment j'ai commencé, c'était vraiment en criant. Après, j'ai pris ça un peu plus comme snap. J'ai pris ça comme mélodieux, parce que c'est ça, le monde, ils veulent entendre. Mm-hmm. Le monde, ils veulent pas entendre des gars qui vont chanter comme... avec une voix monotone. Mm-hmm. Ils veulent pas entendre ça, des freestyles à la... 2005, 2006, 2006. C'est pas ça que les gars veulent entendre. Ils veulent pas entendre des lyrics comme. Ils veulent pas entendre. Le monde là, à Montréal, ils veulent pas entendre des beats que c'est lyricalement très bon, mm-hmm. mais il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas mm-hmm. de. Tu sais, de trucs catchy. Mm-hmm. So, c'est pas ça que le monde ils veulent là. Surtout, t'es dans une ville que. C'est ça, man. Ouais. That's crazy parce que, actually, quand j'ai écouté ce beat-là, t'avais bars on bars, puis t'étais là. Puis là, après, le fait que t'es capable de dire ça, puis t'es capable de faire un autre style qui est beaucoup plus mélodieux. Mais moi, à la base, That's dope. Moi, à la base, là, je me suis toujours dit, j'ai pas rappé autotune. Autotune, c'est pour les faguettes. Mmh. Moi, c'est toujours ça que je me suis dit. Mmh. Mais il y a du monde qui m'ont fait comprendre que, yo, c'est ça la game. Tu comprends? Puis, yo, je me suis essayé, puis voilà que ça a donné.
So, je me suis dit, 4, pour de vrai, c'est ça la game, man. So, man, j'ai plus lâché ça depuis. Mais au début, là, je me disais, oh, rappeur autotune, truc de faguette, là. Je suis dead. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Qui pensaient comme ça. Mais comme Fifty, il n'arrêtait pas de dire Ja Rule. Ouais. Puis c'est le nouveau, c'est la nouvelle ère. Ouais. Fait que c'est vrai que tu veux rester dans les temps. Mais si tu fais un album, tu penses de faire tout album auto-tune, tu peux faire des tracks lyricales dans un album. Dans un album de, mettons, 12 musiques, ouais. Il y aurait peut-être place à 2-3 musiques sans auto-tune. C'est ça, c'est ça. Mais pas la moitié, pas... Non, ouais. Parce que c'est ça 2020, bro. Mais ouais. pas que c'est... Non, c'est pas ça 2020, c'est ça 2020 à Montréal. À Montréal. Pas c'est ça le time. C'est auto-tune, mélodie, catchy. Refrain catchy. T'as pas ça, même si t'es bon lyricalement, même si t'as des bons flows, tu vas pas percer. Tu vas pas te faire entendre. Parce que les jeunes à Montréal, ils veulent pas entendre des trucs comme si... Des trucs qui font endormir, ou des trucs qui font penser. Les gars, ils veulent bouger. Souvent, ils veulent bouger leur tête sur un track. Ils veulent pas écouter un track, puis juste essayer de comprendre les lyrics, essayer de comprendre les métaphores, essayer de ci. Ils veulent pas se casser la tête avec les lyrics. Ils veulent juste catcher un bon vibe, puis bouger leur tête. Ouais. Like a 50 bars a minute, like t'as pas le temps pour ça. Fait que d'un fois, est-ce que le premier beat où t'as expérimenté, ça, c'était vider le clip? Yeah. Ben, pas le premier beat que j'ai... Ben, qui a été viral en fait. Ouais, exactement. Ouais. Ben, c'est le beat que j'ai posté. Ouais. C'est pas mon premier beat que j'ai fait comme ça. Parce que ça, c'est à ce beat-là que j'ai découvert cette équipe. Ah, je pense que la vie t'a découvert. La plupart du monde m'ont découvert comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui me faisait jouer ce beat-là, qui était là, puis jouait, ok, ça se nice, puis ensuite t'avais dit ton âge. J'ai dit, yo, remets. 16 ans, t'avais dit. J'ai dit, remets ce beat-là au début. C'est pas vrai que j'écoute un patiné de 16 ans. J'ai dit, c'est pas vrai là. Comme je suis en train de bomber comme si c'était un panet qui est là, qui était là, whatever. Je fais, j'ai dit, c'est un panet de 16 ans qui est en train de rap. Là, j'ai dit, regardez, puis t'étais là. Je suis comme, le panet, il est là. Le panet est à l'aise. Non, mais c'était exprès. C'était exprès. C'était exprès, disons mon âge. Ouais. To let them know, comme, yo, j'ai 16 ans, puis I'm about that life already. Yeah. Comme. Il a dit, j'ai juste 16 ans. Est-ce que c'est juste facile ou c'est juste habile? Là, je suis comme, ouf. Oui, t'as donné un line comme ça, il me semble. Hein? Je pense que t'as donné un line comme, ouais. Non, c'est un gros track, le vidéo, le clip. J'étais comme, yo, who's this guy? J'avoue, je t'ai saisi. Mais, je te dis la vérité, comme je réécoute le track maintenant, puis je me dis, c'est pas si wow que ça. Peut-être que je l'ai trop écouté. Peut-être. Ouais, peut-être. Des fois, on écoute trop nos chansons, puis c'est quand t'as trop de hits, mais je me dis que comme pas wow. Ok. J'ai fait mieux. Oui, moi personnellement, mon track préféré de VT. La cause. Gang shit. That's my favorite song. Ouais, c'est ça. C'est gang shit. Moi, j'aime Rosa. Rosa? Ouais, c'est... En plus, quand j'ai cliqué, je me suis dit, OK, il va essayer de faire une affaire plus amour. Tu sais, quelque chose de sweet. Je me suis dit, ouf! J'ai dit, tabarnouche. But, non, j'ai apprécié ton style musical. Fait que là, VT, ça veut dire quoi? Yo, mon gars... Next question. Yeah, ouais, toi, tu vas pas. Ok, ça se dévoile pas. Frérot, c'est. C'est ton nom? C'est VT. C'est juste VT. VT. Ok. VT. Y a pas de question à se poser, c'est juste VT. C'est juste VT. Ok. Peut-être que tu vas le dévoiler dans la musique, dans les lyrics. Faut essayer de décortiquer un ouais, beat. Peut-être. Je pense que ça serait intéressant. Ouais, t'en parles. Parce qu'il y a des fois, t'en rappes, mais t'en parles pas. Tu sais, les affaires, tu vas. Yo, rap about it, mais si on te questionne, t'es comme non, je vais pas en parler. Non, excuse, mais non. Même rap, peut-être non. Non, tu penses pas. C'est pas plus compliqué que ça, c'est VT. C'est VT. Oura guy, VT. Rien de plus, rien de moins. Mais est-ce que ce nom-là est venu plus genre toi, as a person in life, ou c'était à travers la musique, t'as dit ok, je vais m'appeler VT, genre. Parce non, que non, c'était vraiment avant la musique. Ah, ok, c'était dans le street, on t'appelait déjà comme ça. Yeah. Ok. Fait que les gars du street, ils savent c'est quoi alors. VT, genre. Écrivez dans les commentaires, s'il vous plaît. Ok. So, ensuite, t'as fait, après vider le clip, comment t'as connect avec Enima? C'est un ami d'enfance ou c'est plus tard, quand t'as commencé la musique, tu l'as rencontré? Non, mais c'est un gars de mon hood. Ouais. Tu comprends? Mm-hmm. On a fini par se connaître. Tu comprends? On a plein de personnes en commun. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est le...
c'était le très bon ami de mes très bons amis, so you know, cinéma c'est la famille. Ouais, ouais, ouais. Tu comprends, so. Comme c'est la suite logique des affaires. Ouais, ouais, ouais. Mais t'es toujours indépendant, toi? T'es pas MMS, t'es pas... Non, non, c'est... moi je suis VTSCL, mais MMS c'est la famille, man. Ouais, ouais, ouais. Même c'est la famille. Fait que toi, est-ce que t'es un artiste signé ou... T'as un management deal, non plus? Mais t'as un management? Yeah, yeah, j'ai un management. Il y a des gens qui investissent dans ta carrière ou c'est toi qui investis dans tes vidéos ou t'as des gens qui t'aident avec ça? Non, il y a du monde qui m'aide. OK. Ouais, ouais. Okay. Ils sont très lélo, d'où? Ben, j'ai du monde derrière moi. Ouais, 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 ouais. J'ai du monde derrière moi qui... Ils croient en ton talent, puis... Ouais, depuis longtemps même, je comprends. Ouais. Depuis... un très bon moment. Ouais, ouais, ouais. C'est pas nouveau, là. C'est pas maintenant, là, que j'ai... Tu comprends? C'est depuis le début de ma carrière. Ouais. Mm-hmm. Mais si on voudrait donner une date pour ta carrière officielle dans le game, ça serait quoi? 2017? 2016? 2017. 2017. Yeah. Vidéo le clip. C'était le début tout. Ouais, c'est ça qui était, comme je pourrais dire, peut-être pas ton meilleur track, mais... selon toi, mais le plus viral qu'on a connu c'est ton juste nom. Street Boy. Street Boy, ouais, ouais, qui était là, ouais. Street Boy, ouais. Sud Boy, mais de le clip, c'était le vrai come up. C'est plus ton style qui ressemble à ton style aujourd'hui, genre. Ouais, ouais. Sud Boy, c'était le vrai come up. De le clip, c'était le vrai come up. Yeah, c'était le vrai come up. Yeah. That, I remember, quand je l'ai vu, c'est... je sais pas comment je suis tombé dessus sur YouTube à un moment donné, puis j'étais comme, yo, who's this guy? Je l'ai partagé à un de mes partenaires. Comme si j'étais saisi, là. L'affaire a eu plein de vues, là. A eu plein de vues, puis c'est pas quelque chose que... j'ai fait plein de vues le premier jour, puis tu comprends, c'était... slowly, mais constant. Non, okay. Slowly, mais constant. Je faisais peut-être un 150 000 vues par mois. Beaucoup, puis plus le temps avançait, plus je faisais plus de vues. Puis en plus, tu habites toi tout seul. Solo, that's the thing. Dans un caille. Ça, c'est toujours mon projet. Il est tout seul dans le clip aussi. Ouais, non, il est avec des partenaires. Il y a des partenaires à un moment donné. Ouais, je l'ai pas regardé récemment. Mais il y a... Puis après, j'écoutais les lyrics. Tu vois le sourire de la Joconde, le sourire de la Joconde est faux. Je suis comme, like, this guy is 16, man. Puis il se fait tous ces bars-là, man. J'étais comme, OK. T'as un bon vocabulaire. J'imagine que toi, malgré que t'as été quelqu'un ton secondaire 4, t'as jamais doublé, t'as jamais... Puis ton français, tu passais ton français normal. Moi, quand je me suis fait mettre dehors, j'étais en maths et scène. Maths avancé. Ah ouais? Ouais. Ok, ok, t'es un gars. Non, je suis une lumière. On peut dire ça comme ça. Yeah, yeah. Je suis une petite lumière. Ouais, ouais, ouais. Petite vitesse. Ouais. Et peut-être que le système scolaire n'était pas adapté pour toi, mais t'as l'intelligence of life. Exactement, c'est juste que bon. J'ai mis mon intelligence ailleurs, si on peut dire ça comme ça. Ouais, 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 ouais. Mais. Ah, mais il est jamais trop tard si jamais un jour. Ah, mais... t'as dit quoi? Y'a rien. Non, mais si jamais tu veux retourner, il n'est jamais trop tard. Là. Retourner à l'école? Finir ton 5, je sais pas. C'est toujours une possibilité. T'as fait quoi? Finir mon 5 pour faire quoi? Peu importe ce que tu veux, je pense que le minimum qu'il faut, c'est un secondaire 5. Ouais, mais pour aller, pour aller à quel travail. Attends, même si Def Jam France veulent te signer, je pense qu'ils ont fait ça. Pas pour name drop des gars comme 6ix9ine, whatever, mais je pense que lui-même, lui, quand il s'était fait signer, apparemment, il devait finir sur secondaire 5. Mais beaucoup d'artistes, c'est beaucoup comme ça. Il y a beaucoup d'artistes, comme quand ils se font signer par des majors, ils peuvent te dire, on veut que tu finis sur secondaire 5. Ouais, ouais, ça, c'est quand t'es big à ce point-là. Ouais, ouais. Mais... je pense pas que si quelqu'un vient me signer, il va me dire finir dans secondaire 5. Ah, ben, you can be. Jamais, you can be, parce que c'est pas comme si t'étais un lightweight dans le game, là. You can be that guy, là. You can be that guy. Tu comprends? C'est pas comme si t'avais des petits chiffres ou tout ça. Ou peut-être t'aurais pu faire une formation pour. T'es management, business, music, vu que t'es là-dedans, whatever, ça aurait pu être quelque chose. T'es comme, you know what, peut-être je veux savoir. Comme Swiss Beats, il y avait réussi. Mais j'ai pas besoin de finir mon secondaire ça, mon secondaire 5 pour tout ça. Ouais. Pas besoin, c'est... Pour l'instant, c'est vraiment comme dernier de mes soucis dans ma vie en ce moment. Ok, ok, ok. Dernier de mes soucis. Peut-être qu'un jour, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense pas que ce jour-là arriverait. Fait que, ok, t'avais fait le vidéoclip, t'as fait un autre clip, et puis ensuite, je sais pas en quand, mais ensuite, il y a eu quelque chose, t'es rentré en dedans, avant que tu sortes La Cause, c'est ça? La Cause, c'est vraiment, it was your coming out quand t'es sorti. Après que non, même pas. C'est Pause qui a été le coming out. Ah, c'était Pause? Ouais. Ok, La Cause est sortie avant que... Ça, c'est... Ah, La Cause, ça, c'est... Ah oui, la oui. La Cause est sortie en mai,
Avec la Audi, là, quand il est dans la Audi. Yeah, Audi. Yeah. Yeah, la Audi. Yeah. La Brooklyn. Yeah, ça c'est, ok, oui. On s'appelle dans les projects. C'est là que j'ai vu, ok, c'est un maghrébin, for real. By the way, free my nigga, Ashro. A real one. Yeah. Ça, tu rêves vraiment, parce que les Maghrébins en été, ils aiment ça se promener en sandales, ça c'est vrai, man. Fait que j'ai aimé ça. C'est oh, comme... yo, G, man, je me suis même pas cassé la tête pour cette vidéo-là. Ouais. Je vois le monde, ils sont là dans, à Montréal, ils se cassent la tête, ils vont acheter un swag. Ouais. Ils vont faire ci, ils vont faire ça. Moi, je me casse pas la tête pour de vrai. Non, parce que tu veux keep it real, this is a life of VT dans la day of life. Non, pour de vrai. Ça m'arrive, moi aussi, de comme si, tu sais, c'est une vidéo, j'ai bien m'habillé et tout, mais c'est ça, swag it up. Mais je suis pas cassé la tête. Non, mais c'est pas comme si t'étais pas swaggy, t'avais quand même des sandales, c'était pas champion ou quelque chose, c'était quand même... c'était champion. Yeah, c'est pas swaggy, ça. C'est comme un petit bagage, comme ça. C'est pas un petit bagage, c'est pas un no-name. Non, c'est pas un Gucci ou quelque chose, mais c'est pas un no-name, tu sais, c'est quand même chill. C'est swag, bah yo, champion, c'est... C'est correct, quand même. C'est sport. C'est pas Gucci, mais c'est quand même quelque chose. Ouais, non, mais j'ai bien aimé le vieux La Cause. C'est simple. C'est vrai que c'est un vidéo simple. Ouais. C'est pas casser la tête, t'as raison. C'est pas à plusieurs jours de tournage. Ouais, c'est ouais. Dans le même spot, dans mon plan. Brooklyn. Dans mon plan. Puis ça, après, c'est pas New York. Hein. Quand on parle de Brooklyn, pour être clair, là, parce que Saint-Léonard, ils ont claim Brooklyn. Ça fait des années que ça existe à Saint-Léonard. Il y a un secteur qui s'appelle Brooklyn. C'est pourquoi qu'ils disent Brooklyn? Mais back in the day, je me dis ça fait longtemps, parce que je pense qu'il y avait, dans le temps c'était chaud là. Mais pourquoi ils disent Brooklyn? Qu'il y avait toujours des shots dans le temps? People, there was always gunshots? Non, même pas. Rappelle-moi, parce que c'est depuis les années 80, 90. C'est à cause d'une affaire de déportation, il y avait des nègres Brooklyn dans le Brooklyn. Ah ouais, c'était ça l'histoire? Je pense que ça j'ai entendu. Et je pense depuis les années 90 que j'entends parler, fin 90. Je pense qu'il y a du monde qui sont venus ici puis qui venaient de Brooklyn. Ok, ok. Des Haïtiens en plus. Ok, that's the story, Brooklyn. Fait que ouais. Ok, c'est ça. Fait que t'es rentré dedans après La Cause, genre. Yeah. Ouais, j'avais vu, il y avait un footage de toi. À la cour. Tu es en train de regarder la caméra. Tu étais bien ris, posé là. Tu ris à la caméra. Quatre soucis. J'ai dit, gala est real. J'ai dit, pourquoi il est en train de rire à la caméra? Ouais, ouais. Non, mais parce que vous comprenez pas. Moi, je suis là. J'étais à Rivière dans ce temps-là. J'étais à Rivière, puis. L'affaire, c'est mon histoire est compliquée, tu comprends? On a le temps, tu peux rentrer dedans, oui. Moi, je suis rentré pour un case mineur. Puis après, j'ai été remis. J'ai été remis en liberté conditionnelle pour ce case mineur-là. Ok. Sur là, j'étais dehors. Là, j'ai eu 18 ans. Deux jours plus tard, il s'est passé un autre truc au centre-ville. Puis là, je suis rentré à Bordeaux. Sauf que j'étais en liberté conditionnelle pour un case mineur, tu comprends? Puis je passais en cours pour. C'était un gros case. Sauf dans le fond, moi, j'étais à Bordeaux. Après, ils m'ont transféré à Rivière. J'ai fait 11 jours à Bordeaux. Ils m'ont transféré à Rivière. Puis de Rivière, je passais au mineur, tu comprends? Je passais en cours pour mon truc au majeur, mais je passais aussi au truc pour mon... Ok. Je devais passer à la cour de justice pour mineur. Oui, oui, oui. Donc je passais là. Donc là, je suis arrivé, bah... J'ai comparu, mais j'ai vu quelqu'un que je connaissais, puis il a commencé à me filmer. Je trouve ça awkward. Je me suis mis à rire, ce qu'on va. C'était pas mon procès, ni rien, Ok, c'était pas planifié, puis rien là. Non, c'est ça, c'était pas planifié du tout là. C'était pas planifié du tout, c'était vraiment comme surprise. J'arrive, puis je croise quelqu'un que je connais, puis commence à me filmer. Ouais. Putain, une courte. Puis là, ouais, t'as été libéré, puis là, t'es pas sous condition, rien, t'es correct là. Non, j'ai une probation. Ok. Mais en espérant que ça passe smoothly pour toi, parce qu'on veut que tu restes dehors à faire de la musique. Des hits. Et puis que tu rentres pas dans des querelles. Mais je sais qu'on va pas on va pas parler trop de ces trucs-là, parce que nous autres, on n'est pas là. On est un média clean. On veut pas rentrer dans les affaires. Non, mais pour de vrai, je vous comprends. Cause moi, je suis un gars de querelles. Oui. So, je sais que c'est un sujet que... Les gens veulent entendre, mais tu comprends. Le monde veut l'entendre, puis le monde veut le ci, veut le ça. Non, on va pas trop en parler. Moi, je vais juste dire que... Tu sais déjà... Là, t'es avec... Surtout que Enima, c'est ton boy. Fait que, par défaut, est-ce que tu inherites ses beefs à lui aussi?
t'hérites ses beats à lui aussi, vu que c'est ton boy. Ben, c'est la famille. C'est la famille. La famille, ouais. C'est la famille. So, si quelqu'un veut, on veut à comme mon frérot, ouais, et ouais. on veut à moi voilà, instantly. Ouais, ouais. Tu comprends? Ouais, instantly. Ouais. So, lui que il veut faire mon gars, lui qui veut faire mon partner. Ouais. Instantly, c'est comme si tu veux me faire moi. Il ouais, ouais. y a des répercussions sur toi automatiquement, ouais. tu comprends? Ouais, 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 ouais. C'est sûr, c'est bif, là. Ouais, 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 ouais. Mais est-ce que tu le parles sur un regular basis avec Enima ou... Ben, je le parle même. Ouais. Any music coming soon with him or... Est-ce qu'il va être voilà. featured sur ton projet? Mais là, c'est un petit peu compliqué, là. Avec tout ce qui se passe, mais... On va dire que j'ai un projet qui s'en vient, puis c'est sûr, il est in it. Yeah, le beat que t'as fait avec lui, c'est, ça fait parler Montréal, man. C'était un hit qui était viral. Les one-two que t'avais, tes verses, ensuite lui, comment il embarque. Tes cheveux, la couleur de tes cheveux. Ouais, ouais. Non, toi, tu rap, là, gang. Mais... Ah une sorte de Clayman ou quelque chose okay. comme ça, c'était juste comme si yo. C'est tantel. C'est yo. Red okay. hair, don't care. Tu comprends? C'est aucun rapport avec les gangs, c'est ça, non? Mais c'est sûr, musicalement, je pense que. Vu qu'on est à la politique, on aime ça parler de la politique, le street politics aussi. C'est bien quand les nègres rouges et les nègres bleus font de la musique ensemble. Mm-hmm. Je pense que c'est bon pour les streets, c'est bon pour les fans. Mais frérot, on est en 2020. Ouais. Il n'y ouais. a plus de bleu rouge, là. Mm. Honnêtement, je dis les by fret, là. Ouais. Il y a plus de bleu. Il y a pas. En tout cas, dans mon monde à moi là, je sais pas pour les autres, mais dans mon je vais jamais biff avec un panais parce que c'est un nec bleu. Puis ça. Dans mon monde, il y a aucun nec bleu qui va biff avec moi parce que c'est un nec rouge. Ouais, ouais. À part dans le gel là, il y a pas de ça dans la rue là. Puis les gars dans le gel, c'est des gros hypocrites là. Ok, real talks. Ok. Fait que je sais que dernièrement, si tu veux suivre la question, tu peux suivre la question sans toi à l'aise. Ne t'inquiète pas, je sais déjà. Parce que... Dernièrement, il y a eu un live. Je ne l'ai pas vu. C'est juste qu'on m'a dit que... Je sais qu'Enima, à un moment donné, il avait fait un live avec les gars de Canicule, you know? Puis il me semble qu'ils avaient fait un bon live. Tout était bon. Mais ensuite, ils ont fini le live. Toi, t'es embarqué sur le live. Puis on dirait toi, t'étais pas down. Okay. Avec le fait qu'il a fait un live avec eux. Je sais pas, correct me if I'm wrong. Comme j'ai dit, j'étais pas là. Fait que ça, c'est juste word on the street, qu'est-ce qu'on m'a dit. Fait que c'est à toi de corriger les faits, parce que je sais pas c'est quoi le real talk. C'est pour ça que je t'en parle, vu que t'es devant moi aujourd'hui. Mais c'est quoi l'histoire avec ça? Parce que vraiment, t'as pas aimé le live, le non, fait qu'il y a fait un live avec eux. Comme je te disais, Enima, c'est ma famille, tu comprends? Mm-hmm. C'est la famille, so. Il a fait un live avec. Mais je sais pas, je m'en plus, il a fait un live avec qui? En tout cas, il disait que je suis juste la famille. Mais je suis juste rentré dans le live. Je voulais même pas rentrer dans le live, moi, à la base, tu comprends? Et je suis rentré dans le live, puis yo. J'ai même pas... Yo, juste pour te dire, hein. Je suis là. J'ai pas de suspect. J'ai pas insulté. J'ai pas dit comme c'est une salope. J'ai rien dit tout ça, là. Mm-hmm. J'ai juste dit à Enima, je suis ain't no family. Ah, hein? OK. So, je suis... Because il est en train de dire que je suis, c'est la famille. Mais je suis, c'est pas la famille. Moi, comme, je sais pas ce qu'on va se dire. C'est ça, c'est comme, tu peux pas le... Je suis pas la famille, là. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. À la base, dans cette interview, je voulais même pas mentionner du monde, tu comprends, mais j'en parlais. Ouais. J'ai juste dit, je suis, c'est pas la famille. Là, après, je suis, il est parti faire un live. Ouais. IG Alors, live. J'ai pas manqué de respect en public, tu comprends. Ouais. Il est parti faire un live. Il a dit, moi, j'étais un coq sans queue. Ouais. Soit IG. J'ai un coq sans queue. J'ai un enfant. Puis si, puis ça. C'est posé, cause moi, je t'ai pas manqué de respect, j'ai juste dit, t'es pas la famille. Yo, bro. T'as été à un autre niveau. Tu comprends? Yo, man. Il y a des répercussions à tout, man. J'ai même manqué de respect en public devant toute la planète. Ouais. Parce mais que peut-être bon, qu'il a pris mal pris ça, parce que t'as dit que c'est mais pas de la famille. Je m'en fous de comment il a pris. Je m'en calise de comment il a pris. Yo, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les politiques. Ouais, non. Déjà, bro. On va pas trop rentrer là-dedans. Ouais, ouais. Ce que j'ai à dire, bro, tout ce que j'ai à dire, c'est que yo, il est wrong pour ce qu'il a fait. Ok, et puis ça finit. C'est on va à d'autres choses. Ouais, ouais, ok. Je vais pas parler trop. Ouais, non, on va pas parler trop. Je veux pas que tu ailles overboard, mais ça, c'était bon. Juste au moins,
C'était une vraie histoire vraie qui est arrivée. En tout cas. Anyways, nous autres, on est pour la paix. On aime la musique des deux. Ouais. On est un fan des deux. On est un fan de Shreeze. On est un fan de VT. VT. Voilà pourquoi VT est là aujourd'hui. Ouais. On kiffe sa musique. On croit en ton talent. And who else does he have? Mais le fait que là, les personnes vont dire « Ok, Enima est pas là », est-ce que tu sens que les personnes, ils disent « Ok, genre, comme le legacy ou le work un peu ou le buzz de Selena maintenant revient à VT », est-ce que toi, tu sens un peu genre cette pression-là? La pression comme « You're next », comme tu vois. Il y a des personnes, ils parlent de ça parce qu'un peu, si on vous écoute, comme je te dis, quand j'ai écouté votre beat, les deux, je suis comme « Yo, même un tape ». Enima VT, ça serait genre comme... Ouh. Juste même un 5 tracks, je suis comme, yo, ça serait juste un cadeau genre pour Montréal. Ouais. Mais est-ce que toi, tu sens que t'as ce côté-là où, yo, Enima is not there right now, but yo, toi, you have to kill it. Non, mais c'est ça que le monde y pense. Mm. Enima est toujours là, bro. Yeah. Enima is just across the country. Yeah. Mm. Il est toujours là, bro. Mm. Quand il va poster ses shit, là, le monde va toujours voir. Ouais. Le seul truc avec lui, c'est qu'il peut pas faire de show. C'est ça. Ici. Et sinon, il est toujours là. C'est ça. Il n'y a rien qui a changé, bro. Il n'y a rien qui a changé. Il va tourner ses vidéoclips endroit où il reste. Puis, les personnes qui le regardent, il y a déjà sa fanbase. So. Ça va changer quoi, qu'il est ici ou pas ici? Le monde le follow toujours. Mais tu sais quoi? Tu as dit d'un clip tantôt, tu as dit, tu sais, j'ai pas de problème avec les gens, mais on dirait que les gens ont problème avec moi. Puis, quand les gens n'arrêtaient pas de... Un commentaire, parce que j'ai vraiment pas le temps de regarder les commentaires des gens, mais il y a un commentaire qui m'a peut-être accroché. Quelqu'un a dit « Yo, vous devez éviter VT ». Puis quelqu'un a dit « Mais non, mais si VT, il vient à rap politique, mais tu sais qu'il est arrogant. » Dans ma tête, je suis comme « J'ai lu ça, puis je suis comme « Mais d'où tu connais VT comme ça pour dire qu'il est arrogant comme ça ?» Fait que, est-ce qu'il y a une image que les gens voient de toi qui est pas toi, puis que les gens sont comme « I just hate the guy, but non, I don't know why. » Non, c'est moi, je suis arrogant. Ah, tu l'assumes. Okay. Je suis arrogant. Mais frérot, je suis comme ça. Tu veux pas m'aimer? Aime-moi pas. But that doesn't mean you're a bad person. T'es arrogant, mais you're not a bad person. Frérot, moi, je viens pas de... Quand je rappe, là, moi, j'habite pas dans... Je viens du Gora, là, tu comprends? Ouais. Je viens pas d'un quartier riche, puis d'une grande maison, puis de ci, de ça. Là. Moi, j'ai grandi dans la merde, puis je viens de la rue, tu comprends? Je viens de là où, comme si t'es un petit coq sans queue, tu vas te faire avoir. Là. Tu vas te faire... Ma nature a été basée sur ça. Ouais. Je suis un street nigga. J'ai jamais eu de faveur ou de beaucoup d'argent. Des privilèges de social, ouais. Tu comprends? Moi, j'ai toujours habité comme dans le Brooklyn. Puis le monde savent, c'est quoi. Eux qui savent, ils savent c'est quoi le Brooklyn, tu comprends? J'ai jamais habité dans ma vie dans un duplex ou dans ci ou dans ça. Ouais, so. Comment une personne est forgée, c'est par rapport à ce qu'elle a vécu. Ouais. So, comment tu t'attends que moi, qui viens de la merde, va être sweet, puis va être comme si diplomate, va être comme ce que tu as envie que je sois. Moi, je suis quelqu'un qui a été forgé dans la merde, dans le manque. Dans le struggle. Dans le struggle. Puis, maintenant que je suis good, mais je ne vais pas changer pour autant, là. Ouais. Je suis ce que je suis. You know, c'est je sais pas... Pour toi, le monde, ils ont un problème avec moi parce que je suis arrogant. Mais c'est quoi que tu veux que je sois? Yeah. Je me demande. Le monde, ils veulent que je sois quoi? Ils voulaient que je sois amical, c'est ça. Mais t'écoutes mes musiques. C'est ça. Puis dans ce que tu dis dans ta musique, c'est ça reflète ce que tu as vécu aussi. C'est pas comme si tu faisais une musique puis c'est comme quelque chose de... Exactement. D'illusant. Fait que you love my music, but you want me to talk another way. Exactement. Yeah, I get it. Mais je vais changer pour personne. Si tu vois que dans mes musiques, je suis violent... puis que je suis ci, puis que je suis ça, ça va être la même chose en réalité. C'est ça que je suis. C'est ça qui me définit. J'ai pas... Est-ce que tu dirais que t'es un tête chaud? Je dirais que je suis rien, bro. You cross je suis moi-même, bro. Mm-hmm. Pas tête chaud, je sais pas...
être cinglé, je suis moi-même, bro. Ça veut dire, si toi, tu m'analyses, puis tu te dis, OK, lui, c'est un tête chaud, ben, je suis un tête chaud. Mais je vais jamais, jamais m'auto-proclamer quelque chose. Quelque chose, ouais. You're a smart guy. You're a smart guy. Est-ce que tu lis des livres? Quand je suis à la cité, là, je disais 3 livres par jour. OK. 3 livres par jour. 3 livres par jour. Damn. La cité, c'est quoi cité? Tu dis cité? Quartier, centre de jeunesse. OK, OK. Parce que dans le fond, j'étais... j'ai fait mon temps au majeur. Comme je t'ai dit, j'avais un case mineur, un case majeur. Ah, OK, OK. Puis quand j'ai fini mon temps, l'affaire, c'est qu'ils m'ont niqué, tu comprends? J'étais en liberté conditionnelle pour un case mineur. Oui. Et après, oui, quand je suis rentré pour un case majeur, ils m'ont collé une affaire qui s'appelle le 5-24. Le 5-24, c'est quoi? Yo, c'est la pire affaire qui existe. Le 5-24, c'est quoi? C'est que même si tu finis ton temps au majeur, ben, c'est comme si même si tu finis ton temps au majeur, ta liberté conditionnelle que tu avais pour ton case mineur est révoquée. Ça veut dire, tu finis ton temps majeur, mais t'es quand même, tu restes dans le gel jusqu'à que ton case mineur finisse. Jusqu'à qu'il y ait une décision. Dans le fond, j'ai fini mon case majeur à Rivière-des-Prairies. J'ai fini mon temps. C'est combien de temps? J'ai fait 5 mois. 5 mois. Puis ils m'ont transféré à la cité. Quand ils m'ont transféré, après c'est ça, j'avais un 5-24. Moi, je pensais que j'allais finir mon temps, j'allais sortir, liberté conditionnelle. Non, tu vas à la cité jusqu'à que tu as ton procès et que tu as ta décision. Je suis arrivé à la cité, mais c'est ça, man. Après, j'ai eu ma sentence. Mais là, tu lisais 3 livres par jour, man. 2 à 3 livres par jour. Cause cité, c'est pas la même chose que Rivière. Le majeur, c'est pas la même chose que mineur. Majeur, c'est le monde, ils disent centre jeunesse. C'est pas le gel. Le vrai gel, c'est le majeur. Yo, le majeur, là. C'est ça, là. C'est ça, la vraie... C'est un compte jour, là, le majeur, là. C'est rien de sérieux, là. C'est le mineur, le vrai affaire sérieux. Moi, je suis passé du majeur au mineur. Puis j'avais jamais fait de mineur, j'avais jamais fait de majeur. Je sais c'est quoi le contraste. Ouais. J'arrive au majeur, là. Les portes, ils ouvrent à 8h30. Tu restes sur le plancher avec tout le monde. Tu joues aux cartes. Tu regardes la télé, tu fumes tes affaires, t'as une boîte, t'as ci, t'as ça. Puis les portes, ils referment à 10h30, puis ça dépend où t'es, mais des fois, t'es avec un coloc, soit tu peux continuer à jouer aux cartes avec lui, jusqu'à que vous êtes fatigué. Moi, je suis arrivé au mineur, là, j'ai battrip, mon gars. T'arrives au mineur, j'ai battrip, parce que t'arrives au mineur, là, c'est un autre vibe, c'est question de réhabilitation. Tu fermes ta gueule quand ils disent de fermer ta gueule. Si tu fermes pas ta gueule, mais yo, tu restes dans ta chambre. Ouais. Jusqu'à qu'ils décident quand te mettre dehors de ta chambre. Ouais. C'est pas, au majeur, là, mettons que tu te fais marrer avec du boss, tu te fais marrer avec ci, tu te fais marrer avec ça, ils te donnent un rapport, tu passes devant le conseil disciplinaire, puis ils décident ta sentence. Puis quand ta sentence, ils te disent c'est quand que ta sentence finit. Sauf tu sais, c'est quand que ton deadlock il finit, tu comprends? Au mineur, tu sais pas. Ils te mettent en deadlock, puis s'ils veulent te garder là 3, 4, 5, 6, 7 jours, ils te gardent. Puis, comment ça fonctionne au centre jeunesse? C'est qu'ils te mettent, tu rentres, le majeur, le principe, c'est que les portes ouvrent à 8h30, t'es sur le plancher avec tout le monde, jusqu'à que les portes ferment, puis ainsi de suite. Le mineur, c'est qu'ils te mettent dans ta chambre, dans ta cellule. Puis, t'es toujours comme. Le principe, c'est pas les portes, ils ouvrent à une certaine heure, puis comme si. T'es tout le long dans le plancher. Le principe, c'est que t'es toujours dans ta chambre. Puis tu sors juste quand t'as quelque chose à faire. Quelque chose que, par eux, est jugé comme bénéfique. Ouais. Ça veut dire que c'est soit tu sors pour manger, soit tu sors pour aller au gym, soit tu sors pour aller à l'école, ou soit tu sors pour je sais pas quoi, tu comprends? Quand il y a un temps libre, tu comprends? Mais sinon, t'es dans ta chambre. Ça veut dire que t'es dans ta chambre juste quand ils décident, tu sors. Ça veut dire sinon, là, mettons que sur 24 heures, je vais te donner, si on compte pas les heures de sommeil, on va dire que tu dors 12 heures par jour. T'es
19h? Dans ta cellule? 19h dans ta chambre. Puis dis-toi que yo, moi, quand je suis arrivé, moi, je suis pas inscrit à l'école, tout, tu comprends? Je suis arrivé à la cité, je suis arrivé au centre jeunesse, puis c'était dans les périodes de cours, tu comprends? Ça veut dire, eux, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, si tu t'inscris pas à l'école, tu restes dans ta chambre jusqu'à que les autres reviennent, puis on va décider qu'est-ce qu'on va faire. Puis après, tu sors. Ça veut dire, tu sors de ta chambre vers 4 heures. Mais l'affaire, c'est qu'ils te réveillent à 7 heures du matin pour prendre le déjeuner avec tout le monde, pour qu'eux, ils vont à l'école. Puis toi, après, ils t'ont réveillé, là. Tu restes dans ta chambre. Ça veut dire que tu te réveilles à 7 heures du matin. Là, t'arrives plus à te rendormir. So là, t'es dans ta chambre jusqu'à genre 4 heures de l'après-midi. Oh, c'est fort. T'as rien. T'as peut-être des livres. Si t'es chanceux, ils te donnent une radio. Sinon, t'as rien, là. T'as rien. Rien. T'as ta chambre. En plus, t'es avec personne. T'es tout seul. T'es juste là, avec toi-même. Tu regardes le mur. C'est comme ça tous les jours. Bon, je me suis inscrit à l'école. Ouais. Je me suis inscrit à l'école. Yo, je pouvais plus. Bro. Ils te réveillent à 7h du matin. Les gars vont à l'école. Ils sont tous là ensemble. Les gridants dans les cours. Tout. Toi, t'es là dans ta chambre. En train de regarder le mur. Parce qu'ils t'ont réveillé. Ouais. Sinon, moi, je suis pas mal, bro. Ouais. Je vais dormir à telle heure. Puis je me réveille à telle heure. Ouais. Je vais me synchroniser avec leur rentrée des, ouais. rentrée des cours. Oh, t'avais combien de temps en mineur? Un mois. Shit. C'était long. Je te jure que ce un mois-là était plus long que le 5 mois que j'ai fait. Ouais, arriver, je te crois, man. Un mois qui était un an quasiment. Là. Ouais. Yo, dis. Oublie ça, man. Écoute, ça t'a rendu plus ordonné aujourd'hui, tu dirais? Non. Okay. M'ont rien appris. Plein de points positifs out of this. Non, il lisait 3 livres par jour. Ouais, ça, c'est beaucoup quand même. Ça, c'est real, ça. Ouais. 3 livres par jour. To make it. 3 livres par jour. Tu sais, quand tu lis des livres, là, les mots, ils sortent plus facilement. Exactement. C'est un message aux artistes qui écoutent, les gens qui veulent entrer dans le game. When you read. Surtout le rap français, ça aide à lire. Vos artistes préférés, c'est des gars qui ont du vocabulaire en général. C'est pas comme les anglais. C'est même pas question que, genre, ça va t'apprendre du vocabulaire, si ça. C'est juste qu'à force de lire. Tu te parles dans ta tête, tu comprends? Oui. En disant, tu parles dans ta tête. Oui. Après, quand tu parles, les mots, ils sortent comme plus fluides de ta bouche. Oui, oui. Tu peux enchaîner des longues phrases, puis. Les structures de phrases. J'ai remarqué aussi. J'ai remarqué ça quand j'étais au centre de l'Est, Oui. J'ai remarqué ça quand tu rappes aussi. Mais c'est vrai, des fois, avec le auto-tunes, on peut pas tout comprendre tout ce que tu dis. Parce que des fois, je suis comme, what did he say there? Parce que j'essaie d'écouter ce que j'aime tes paroles. Fait que je suis un gars qui, par défaut, qui aime les lyrics, là. Mais ouais, j'y crois. Je vois que t'es un gars qui a lu des livres. Ça paraît, la manière que tu t'exprimes. Puis t'es une psychose. Le gars, il va te donner des lines, you know, comme c'est pas n'importe qui va dire. Mais les mots que je dis, c'est pas des mots... C'est pas cherché, c'est pas, c'est pas des mots qui sont recherchés, mais c'est beaucoup plus le contenu puis la profondeur. Tu sais, j'ai pas été élevé comme ça. C'est comme si j'étais comme j'avais le choix entre le gun et la rose. Tu sais, c'est comme si c'est des métaphores. Qui dirait ça? C'est une métaphore que c'est pas tout le monde. C'est que t'as pris les figures de style. Mais il y en a plein à Montréal qui lancent ce vocabulaire-là. C'est pas. Oui, mais qui est capable de commercialiser comme toi, c'est pas la même chose. Toi, tu l'as. Oui. Parce que c'est gangster shit, puis, mais bien écrit. Bien écrit. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de gars qui vont essayer de rapper gangster, mais ils ont pas de. Ils sont seuls. C'est ça, tu vois, c'est retourne à l'école, comme va lire des livres, apprends à conjuguer tes verbes. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pour ça qu'on apprécie les gars qui vont rap gangster, mais qui ont du vocabulaire. Yeah. Voilà pourquoi je dis STL est connu pour ça. Les connaisseurs Tikazo, les Taiji Dizo, ces gars qui ont su s'exprimer. Tu comprends? Un bon storytelling. Toi, c'est ça qui te manque. Je pense que je veux entendre une histoire de toi sur rap, là. Like a rap storytelling. Pas, une histoire. Mais pas trop real, parce que je sais que ta life c'est is real. Mais comme ça serait nice, une histoire, un track. Ouais, tu racontes une histoire, là. Tu sais, que tu pourrais raconter, tu sais, sans délater personne. Oui. Je pense que toi, tu pourrais faire quelque chose comme ça, puis ça serait fou. Puis je pense que tout le monde écouterait. Parce qu'on sait que, sans t'avoir connu, juste le premier clip que j'ai vu déjà comme, oui, je t'ai préjugé, si on veut. Je dis, OK, lui, il a l'air d'un tête chaud. Lui, ça a l'air d'un gars, yo, à 16 ans, en train de parler de vider le clip. Qui rappe comme ça à 16 ans?
À 16 ans, je rappais, je pense pas que je rappais comme ça, là, tu comprends? Fait que moi, mais il parle... y en a plein de nos jours maintenant. Ouais. Tout le monde parle Until Clip, là. Ouais, mais les jeunes sont sous ça la mode maintenant. Plus maintenant. Ouais. Mais peut-être le fait que toi, t'as eu un genre de succès beaucoup plus fulgurant que les autres, que là, ça devient beaucoup plus sur VT, mais t'es comme, yo, mais il y a combien de personnes qui rappent de ça, tu sais? Ben, fulgurant. Mais je c'est quand même. Jusqu'à fulgurant, là. Mais yo, for local, Montreal, d'un artiste Montréal, c'est pas comme si t'avais des. Tu peux faire un track n'importe quand, dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont un plan marketing. Toi, tu peux dire, ok, tu sais quoi, je fais pas de track pendant 6 mois, tu veux sortir un track, un vidéo demain, tu sais que tu vas avoir les views. Non, tu comprends? Puis sans featuring, là. Ça, c'est pas quelque chose que. Non, mais ça a toujours été comme ça. J'ai jamais vraiment aimé faire le featuring. Je me suis toujours fait tout seul. Et en plus, beaucoup de personnes, leur stratégie, c'est quand ils rentrent dans le game, ils veulent avoir des featuring avec tout le monde to be co-signed. Toi, t'as même pas pensé à ça. De me dire, yo, je rentre dans le game, je vais prendre les gars depuis qui sont crédibles. Depuis que j'ai fait des featuring avec quelqu'un, c'est que c'est mon gars. C'est ton gars. J'ai jamais fait. À date, ben, c'est pas que je voudrais pas. Mais à date, j'ai jamais fait de featuring avec quelqu'un. Qui est pas dans ton cercle. Juste pour cause de. De views or business. Ouais. C'est plus quelqu'un. Ben, pas dans mon. Je dis pas que j'ai fait featuring juste avec des gars de mon cercle, mais le gars, c'est mon gars. C'est que c'est. Ça va plus loin que le rap. Mmh. Ouais, t'as une connexion avec cette personne-là. Fait qu'imagine. Puis si quand je fais un featuring avec quelqu'un, c'est pas par rapport parce qu'il y a des views ou si ça, là. Tu comprends? C'est pas ça que je cherche quand je fais un featuring avec un gars. C'est le vibe, c'est. Le gars, je le connais, si. Fait que si c'est quelque... si imagine moi je suis un artiste puis je suis comme ok moi je fais mes affaires puis je veux te contacter pour faire un featuring, ça serait quoi mon approche, c'est quoi la meilleure approche pour essayer d'avoir featuring avec des je fais pas de featuring. Even non, lui, c'est pas un gars qui va approcher. Je fais pas de featuring. Even if I've si je te connais pas, je vais pas faire de featuring 5K avec toi. Là, je suis comme, yo, moi, je suis prêt, j'ai de l'argent, j'ai du... de mon épaule est prêt à payer 25K. Je fais pas de featuring. Damn! Pas de featuring, bro. Est-ce que t'étais là la soirée où est-ce que Enima s'était fait snatch le chain, le snatch snatching? T'étais là cette soirée-là, toi? Non, j'étais pas là. T'étais son panet quand c'était arrivé? Tu étais là déjà avec lui? Ouais. Ça, c'est un autre beef que t'as inherit, tu dirais? T'as hérité? Moi, en français, inherit, c'est hérité? Hérité, ouais. Ouais. Répercussion, dommage collatéral, je dirais. Next question. Juste un oui. C'est juste comme. It is what it is. Je veux pas, pour de vrai, je veux pas parler de monde. Ouais, non. J'ai déjà fait l'erreur, tu comprends? Ouais. Comme, non, mais je pense pas que c'est une bonne idée. Dans ma tête, comme, mettons que chaque jour que je passe dans ma vie, je grandis. Oui. Quand je suis sorti du gel, là, j'ai fait l'erreur de parler de quelqu'un dans une interview. Ouais. Mais yo, moi je suis sorti, j'étais chaud. Bah, je viens de sortir. À la radio. Bash. On va pas nommer le nom. On va pas le donner ce film-là. Mais j'ai nommé le nom de quelqu'un. Puis j'aurais pas dû, tu comprends? Ouais. Cause à la fin de l'histoire, là, c'est pas un beef de rap. C'est pas du cloud. C'est comme, le monde, ils vont penser que j'essaie de cloud chase. Non, j'étais chaud, tu comprends? Mais à la fin de la rue, à la fin de l'histoire. Le story belong à la rue. Yeah, straight up. So, les histoires, par exemple, que vous allez essayer de me parler, puis que c'est à la rue, ça reste à la rue. C'est ça. Yeah. On va pas en parler devant tout le monde, puis c'est ça, parce que c'est trop comme délicat. Yeah. Puis c'est des trucs que ça pourrait être finir dans des preuves, puis c'est ça. Straight up. We respect that. VT. Talking that real shit, les man. Les affaires de beef, c'est ça. On va que ça. Talking that real shit. Mais tu sais, tantôt t'as dit justement qu'on peut pas juste arriver avec un 5 ou un 10K, faire un featuring avec. Mais là, on voit qu'il y a un track qui est sorti, puis justement, t'as fait un featuring avec l'Amiral. Yeah. Puis je pense pas que c'est quelqu'un qui est dans la scène. Fait que est-ce que tu peux nous expliquer un peu le behind the scene, un peu la collaboration? Le gars, je le connais, ça fait longtemps, tu comprends? Okay. C'est rien qui s'est fait payer, rien que si. Mm-hmm. La famille. C'est... Ben. C'est mon gars, tu comprends? Le partner m'a fait écouter son track. Puis à la base, c'était un track, lui, puis un autre partner qui s'appelle Devé. OK. Puis moi, j'écoutais le track, j'ai trop fait, tu comprends? J'ai dit, oh, je veux rentrer dedans. Donc là, ça s'est passé, je suis rentré dedans, puis Devé a eu ses raisons personnelles. L'autre partner qui s'appelle Devé, il a eu ses raisons personnelles, Il s'est retiré du beat pour certaines raisons personnelles.
Je me suis retrouvé juste moi et lui. Et on a make shit happen. T'as ce dope track, puis à un moment donné, tu vois, c'est comme si dans le parti, dans le refrain, il dit genre une phrase en arabe, puis là après t'arrives, là, whatever. C'était l'idée de qui? Comme, je comprends rien de ce que vous dites, mais I'm like, yo, this is, ça sonne tellement bien, je sais pas ce que vous dites, puis I'm like, yo, this is smart. Yeah. This is dope. Mais c'était l'idée de toi ou c'était comment? La phrase en arabe, mais à la base, il y avait la phrase en arabe. Ok. Dans le beat. That's a dope song, man. J'ai écouté, je suis comme ok. Yeah, c'est vraiment un bon track, comme j'ai feel. Yeah, le track avait du potentiel, mais c'est. Qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est un track qui a la curieuse affaire, là, que. C'est un son que. Il y a plein de monde qui vont pas feel au début, mais après la deuxième, troisième réécoute, ils vont aimer. Il y a des sons qui sont comme ça. Il y a des sons que. T'aimes pas la première fois. Il faut que t'écoutes deux, trois fois pour aimer. Mm-hmm. Tu comprends? Puis plein de mes proches m'ont fait la remarque que au début ils l'ont pas aimé, ben pas qu'ils l'ont pas aimé, ils l'ont trouvé basic, puis avec le refrain ça devient catchy. C'est ça. Donc peut-être qu'ils étaient pas peut-être habitués avec l'autre gars qui était sur le track, l'amiral, qui est quand même non mais ça a pas rapport avec lui. Peut-être que c'est pas moi, peut-être que c'est pas lui, mais il y a quelque chose avec le beat que il faut que tu l'écoutes deux trois fois pour que, mais une fois que tu l'as écouté deux trois fois, je te l'assure que tu vas l'aimer. Mais vraiment, genre. Ouais, moi j'ai écouté la première fois, je suis comme ok, c'est du sérieux, whatever. Puis c'est un bon consign aussi, dans le sens que lui c'est un visage peut-être nouveau pour les gens. Toi tu le consignes pour dire écoute. Mais ça fait longtemps qu'il est là, tu comprends? C'est ça. Il n'y a pas eu la chance de se faire voir. So, moi j'ai voulu lui donner la chance. Yeah. Se faire voir parce qu'il est talentueux, so. Il mérite de se faire voir. Yeah, that's a good thing. Il est pas poche, puis que je lui donne du clout, puis c'est for fun. Le gars est fort, il mérite de se faire voir. Ben, actually, j'ai connu vraiment à cause de toi, dans le sens que j'ai vraiment vu le featuring, puis je suis comme, yo, je vais écouter VT, parce que VT has a new song, puis t'as un nom, puis là, je suis comme, ok. Là, non, j'ai commencé à regarder. Fort, bro, le panier est fort, il maîtrise. L'amiral, ouais. Il maîtrise. En tout cas, shout out à lui, même. Shout out. Straight up. Puis on voit aussi que, tu sais, là, je sais pas si c'est avec le confinement ou avant, c'est toi qui vas pouvoir peut-être me corriger. Mais là, je vois que tu t'aimes embarquer des gens, tu sais, même des fans dans tes lives. Oui, tes j'ai lives. Remarqué ça. Yes, talk about that. Tu fais beaucoup de lives. Bon, mais des fois, t'es rough. Attends, on va prendre une pause, les gars. Oui. Dans pisser. Oh, ok. On va continuer l'entrevue. C'est bon. Ouais, on fait ça des fois. Passe-moi le light pendant que tu te lèves, s'il te plaît. Yo, je dois pisser, pour les gars. Non cap. Vétéran politique. C'est real, man. Vétéran politique. C'est vrai, généralement, je dis aux gars s'ils veulent pisser avant, j'ai oublié de lui demander. Ouais, c'est ça, avant. Whatever. Puis on est en train de pisser pendant 3-4 bouteilles. On les garde quand même assez longtemps. Je pense que ça a commencé un peu slow. C'est sûr. Mais il commence à s'ouvrir de plus en plus. Mais c'est ça qu'il avait dit, il a juste dit, you know what, comme, oh, parce que c'est ça que t'avais dit quand t'avais dit, oh yo, il y a des personnes qui disent des choses positives sur toi, puis comme yo, c'est rare, parce que c'est toujours l'image, puis je suis comme yo, I don't know the back end story, moi je fais juste écouter la musique, je vois l'artiste, I'm like yo, this guy is dope, ce gars-là a des hits sur hits, là, c'est comme, moi je connaissais pas le padèche, je suis comme yo, this guy is, from Montreal, is a hit maker. À la base, c'est un très bon artiste, ouais. You know? C'est sûr que, surtout le rap, ça vient de la rue, fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bagages de la rue qu'ils ramènent avec eux, mais ils veulent rentrer dans l'industrie. Ouais. Mais si l'industrie les ouvre la porte, c'est avec le temps, je pense qu'ils vont laisser les bagages de la rue dans la rue, et puis tranquillement, tu sais, devenir industrie. Si ça fonctionne dans l'industrie, bien entendu. Ouais. Mais moi, je pense qu'il a les skills. Mais il y a les skills et aussi il y a le mindset, parce que quand on a parlé de Sweet Boy, il a dit, you know what, I came hard, I came with bars, mais j'ai même compris à quel point que la game marchait. So, j'ai compris qu'il fallait que je puisse faire comme hook, bars, flow, mais qu'il faut que je puisse le dumb down. Fait que c'est pas comme si c'est pas un lyriciste, là. C'est pas comme si c'est pas un speeder, là. Fait qu'il a vraiment compris un peu comment faire un hit, puis il a commencé à faire des hits sur hits. Chaque track que VT sort, c'est des hits, là, quasiment, là. So, tu sais, c'est quelque chose que, yo, on voudrait voir beaucoup plus, man, que les gens puissent associer à VT beaucoup plus les hits qu'il fait, man. Fucking médecin, je vais être so sad. You know?
Fait que yeah, mais on va aller sur le Insta. Sur le Insta Live de VT qui sont toujours lit. Ouais, ce gars-là, il y a toujours... Il fait souvent des lives, je vois. Avec des fans. Des fois, c'est les... Il y avait un moment, il y avait une femme de l'industrie. Allez, on commence pas okay. avec moi. Commence sinon, pas avec moi, sinon, c'est généralement des fans. Mais des fois, t'es rough aussi, comme... le gars qui va avec la bague. Comme t'es pas toujours gentil avec les gens qui embarquent sur le live. Ouais, mais qu'est-ce que moi je pense? Gentil. Hmm? Mais gentil au point de vue de qui? Ouais. Ça veut dire quoi être gentil? Mm. Comprends? Oh, c'est quoi être gentil? Ça, c'est le philosophe en lui. C'est mais ça. C'est ça. Ça, mais tu me dis, je suis pas gentil. C'est quoi être gentil? Est-ce que quand t'es direct, t'es pas gentil? C'est ça la vraie question. Mais. Je suis pas gentil. Il y a ce point, man. Non, mais il faut avoir un filtre. Ou savoir bien positionner. Non, il faut pas avoir un filtre. Tu peux avoir un filtre. C'est pas une obligation d'avoir un filtre. Puis quand tu t'adresses à un gars qui vient de la rue, puis que t'as des doutes que le gars, il a pas de filtre, puis qu'à la fin, shit, il a pas de filtre. T'as pas être surpris, là. Le gars a pas de filtre. Tu le sais que le gars a pas... Tu sais qu'il y a des grandes possibilités que le gars a pas de filtre. C'est quand le gars, tu vois qu'il a pas de filtre, tu te dis quoi? Shit, man. Why are you surprised? Ça devait arriver. Je suis pas Harry Williams là. Ouais, okay. Je vais te dire les affaires en souriant là. Ouais. Mais quand c'est des fans, des fois c'est des fans que des gens qui te suivent là. Oui. But it's all fun, it's all the love puis tout ça. C'est du divertissement. Tu sais, moi je le regarde, je suis comme yo. Oui, tu vois que c'est des gens. Donne un exemple que j'ai pas été gentil. Oh là, right now. Vas-y, là t'as dit, j'ai pas été gentil. Oui, yeah. Donne-moi un exemple. Moi j'ai vu l'affaire de. Toi, comment pas qu'un exemple? Moi j'ai vu l'affaire avec la bague that was funny. Il y avait une autre affaire. Moi j'ai regardé peut-être deux, trois. J'ai regardé trois. That was jamais, funny. Jamais je manque de respect à mes fans. I was entertained. J'ai jamais manqué de respect à mes fans. Y'a pas un gars qui a déjà rappé pour toi? Rappé pour moi? Il me semble qu'il y avait un gars qui avait déjà spit un line pour te montrer, mais je pense pas que c'était. Non, c'était. Was it for you? Or was it... Ah, je sais pour. Non, c'était pour Enima peut-être. Que je suis pas sûr. Mais... Il y avait une fille qui parlait. Jamais de manquer de respect à mes fans. Non, une femme, à un moment donné, t'avais déjà parlé mal à une femme. Je sais pas, je pense pas que t'avais. Pas pour rien, en tout cas. Si ça arrivait, c'est pas pour ouais, rien. Ouais, je me rappelle pas de l'histoire, fait que j'ai pas trop en parlé. Comme si je m'en rappelle, j'aurais dû checker vraiment avant l'entrevue. Ça fait un petit bout que je l'ai vu. Mais en tout cas. Elle qui parle anglais, là? Was it her? Maybe. Parlait de Toronto? Ça, je me rappelle pas. Je pourrais pas te dire, là. Mais je vais pas me prononcer trop sur ça, mais en tout cas, t'es direct. C'est ça l'affaire. Mais c'est comme ça que je suis. Pas irrespectueux. T'es un gars direct. Je suis pas irrespectueux comme personne. C'est direct, oui. Ouais. Mais actually, les lives sont entertaining. Est-ce que c'est quelque chose que t'as décidé de faire pendant le confinement? C'est quelque chose que tu faisais même avant? Non, ouais, je faisais avant le toujours confinement. Tout le temps. Ouais, même pendant le confinement, j'en ai pas fait. Ok. C'est vraiment avant. Puis... Tu sais, c'est juste comme ça. C'était. Il y avait du monde qui demandait, puis j'ai commencé à les ajouter, puis leur poser des questions, puis faire un peu d'interaction. Là, j'ai vu tout le monde a commencé à faire ça. So j'ai arrêté une. Ok. Ouais. Mais est-ce que tu sentais que les fans, quand ils avaient l'opportunité d'aller dans ton live, est-ce que tu sentais que t'es comme yo, c'est comme s'ils étaient contents, puis c'est comme yo, j'ai. Ouais. Parce que comme. Non, moi aussi, j'étais content d'une manière, on se comprend, parce que. Il y en a qui faisaient mes journées, là. Ouais. Le cap, là, il y en a qui faisaient mes journées. Ils sont contents d'être avec leur artiste préféré. Puis c'est pour ça que, tu sais, quand j'ai dit, oui, t'as quand même, genre, des views fulgurantes pour un buzz, c'est que... Puis je faisais même pas exprès comme si pour rajouter... Comme, je faisais exprès pour rajouter des enfants. OK. Je faisais exprès pour rajouter des enfants, juste parce que je sais qu'eux, quand ils vont rentrer dans le live, ils vont être contents. Ouais, okay. C'est vrai. Please, the fans. Pas aller rajouter des grown men qui vont venir puis qui vont me regarder puis que ils vont me mug là. Rajouter des enfants, man, je faisais leur journée moi aussi. Ils étaient contents de rejoindre le live puis on parlait. C'est un fanbase jeune aussi qui look up to you. C'est ça, j'ai un fanbase plus jeune que vu. Mais tu sais, la musique ça commence quelque part. Il y a du monde qui vont grandir avec une certaine musique puis un jour ils vont avoir 25 ans puis ils vont dire quête. Le rappeur Back in the Days, c'était VT. Ouais. Back in the Days. Ouais. Mais tu comme eux qui vont dire Ticasso, tout ça. Ouais. Ça.
Mais même si t'as pas tous ces années-là dans le game, moi, je peux dire que t'es quand même un local star. On dirait que quand je dis fulgurante aussi, c'était des choses que tu... T'es comme... Mais dans ma tête, c'est vraiment ça. C'est le nom de VT est partout. Star, les views sont moi, là. Je suis pas... Mais les gens te reconnaissent dans la rue. Ouais. Oui. Parce que j'ai eu une certaine poussée médiatique, mais pas quelqu'un que... Pas quelqu'un qui se prend au sérieux, si on peut dire ça comme ça. Je suis pas quelqu'un que... C'est un artiste, puis il prend sa carrière au sérieux, puis qu'il va faire ci, puis qu'il y a des projets, puis qu'il ci, ça. Il est déjà campé sur 2-3 albums. Mais si un artiste connu que tu respecterais t'approcherait, puis dirait « OK, I have to, this deal », là, toi, t'aurais dit « OK, you know what, peut-être que je devrais prendre ma carrière d'une autre façon. » Non. Whatever. Non? Ben, j'aime prendre au sérieux. Moi, je suis comme ça, je me prends pas au sérieux. Puis je conseille aux gars qui se prennent au sérieux, qui se prennent un peu moins au sérieux. Je conseillerais au monde qui se prennent vraiment au sérieux dans cette ville-là, qui se sont rap, qui se prennent un peu moins au sérieux parce que shit, man. Mais c'est quoi l'objectif musical de VT dans le sens que... Est-ce que tu crois que t'es comme, yo, you can actually be... One of the top guys qui peut juste comme, you know what, comme, tu peux tour, tu peux avoir les 20 millions de views, tu peux... Est-ce que tu crois ça ou... Possible. Possible. Yeah. C'est pas quelque chose que j'y crois comme si que j'étais à 100% sûr puis que je mise tout sur ça. Quelque chose qui peut arriver. Ouais. Comme tout peut arriver. Mais j'essaie de mettre les efforts pour que ça arrive. Mais je me mets pas dans ma tête que ça va arriver, puis que si ça, parce que comme ça, au moins, si ça arrive pas, ben, pas déçu. C'est pas ton plan A, genre. Non, c'est pas vrai, ça. Légalement, c'est mon plan A. Ok. Mais, c'est pas quelque chose que j'y crois à 100%. C'est quelque chose que je me dis, ok. If it happens, it happens. C'est fort possible que ça arrive, puis que c'est très probable. Mais que si ça arrive pas, ben, pas arrivé, c'est pas grave. Moving je force on. Pas comme d'une manière vraiment comme. Je sais pas comment je dis. Ouais, mais on le souhaite. On le souhaite. Je fais les efforts pour. J'essaie de faire les efforts pour. Je sais que le monde va sûrement dire. Je m'applique pas comme les autres artistes. Ouais, ouais. Les autres artistes, ils font des albums, ils font ci. Ils font... Un tape. Ils drop un vidéo chaque un, deux mois. Non, je suis pas comme ça. Tout est dans l'art de se faire désirer. Ouais, c'est vrai. Gros tu ris. Non, mais c'est bon. Tout est dans l'art de se faire désirer. Ouais. Mais là, tu travailles sur un projet officiel. Et t'as pas d'album encore, c'est ça? Non. T'as pas d'album. Pas de mixtape. Pas d'album. Ça, c'est one single at a time. Est-ce que, éventuellement, est-ce que c'est ça le plan présentement? Un projet, un full body of work, là? EP ou album, là? Des formations. Album. So, Jack Boy avait sorti un clip vraiment exposing you. Gros clip! Puissant! Montréal! Yeah, my God! Là, c'est un clip là comme yo, tu regardes ça? Anyway, c'est un gros clip. Montréal, gang shit, RDP. So, est-ce que c'était une coïncidence que toi t'apparais sur la line qui. Quand il dit, qu'est-ce qu'il dit? Clock 90, rapping, les gars qui disent qu'ils fouettent. Puis c'est là, on te voit, là. On a VT apparaît, boum! C'est sûr qu'on a dû te demander la permission. C'est sûr que t'as donné le green light pour que ça sorte comme ça. On t'en a parlé en premier ou c'est sorti comme ça? Non, c'est sorti comme ça. D'ailleurs, shout-out à Jack Boy. Shout-out à ma RTP, niggas. VT's being action. Yo, being wise on this one. I love that. Yo, that's a politically correct. Yeah. J'aime ça. I love that. Il est vraiment politique. Les gars qui disent qu'il fouette. Shout-out à Jack Boy. Moi, j'écoutais ce bitage comme Jack Boy, c'est la famille, you know. Yo, shout-out Jack Boy. C'est sûr qu'il va devoir venir ici. J'écoutais ce bitage peut-être 200 fois. Jack Boy, you already know, my nigga. Yeah. Shout out Jack Boy, shout out à ma RDP niggas. Yeah, shout out Ryder qui est venu sur Patreon. Allez checker ça sur Patreon. Ryder, ouais. You know what I mean?
Le seul problème, Jack Boy, c'est que c'est un beat américain. Ouais. Parce que si c'était un beat original, il aurait pu capitaliser encore plus. Mais non, ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport, mon nigga. C'est sorti comme c'est sorti. Aucun rapport. Moi, je pense que ça aurait été un beat original, ça aurait été plus loin. Parce que là, quand c'est un beat américain. Non, mais c'est un remix, ça veut dire que yo. C'est un remix. Les gars des States sont là, ils font leurs affaires, puis nous, on leur montre que yo. Mm. On est dans le même vibe, you know? Ouais. Puis on est capable de l'écraser sur leur propre beat. What's up? Yeah. Exactement. What's up with that? Jack Boy l'a sauté sur son track. Ça fait longtemps qu'on attend un projet de Jack Boy. Puis Jack Boy, surtout sur les remix, il les saute. Oh. Yeah. Quand il rajoute sa petite touche là. Yeah. Jack Boy les saute. Depuis Computer aussi. Gros track là. Ouais. Jack Boy l'a toujours sauté sur les remix Savage là. Ouais. There, man, within the building, some real talks happening now. Yo, t'as un gros track featuring avec YH. Gros track. Pour moi, c'est quand j'ai entendu ce track-là, j'aimais la complicité. Fait comment ça s'est fait cette collaboration? Est-ce que c'est toi qui t'a reach? Est-ce que c'est lui qui t'a reach? Comment ça s'est fait? On s'est parlé. On a fait l'autre vibe. On s'avait déjà vu une fois au club. Mm-hmm. C'est cool, man. On a fait notre featuring. Gros hit, man. Puis malheureusement, il est plus sur YouTube, tu comprends? Le vidéo est plus sur YouTube. Ce vidéo-là est plus sur YouTube? Ouais, il est plus sur YouTube, parce à un moment donné, j'avais essayé de monétiser. Il m'avait comme si... comment dire? Interdit la monétisation de mon next vidéo. Ooh. À cause d'affaires de droits d'auteur ou je sais pas quoi, avec mes précédentes vidéos, puis que c'était ce vidéo-là. À qui? Mais j'avais acheté l'instru. L'instrumental, je l'avais acheté, cette vidéo-là, you know? Je l'avais acheté sur un site. Mais il m'avait collé cette affaire-là, puis moi, j'ai pas la tête à aller contester, si ça, j'ai juste supprimé le track. No fucking way. Mais l'instrumental, je te jure, moi, d'habitude, là, au début, j'achetais pas mes instrumentales. Puis c'était la première fois que j'avais acheté un instrumental à part avec Kenima, là. Okay. C'était la première fois, comme avec quelqu'un d'autre, que j'avais acheté un instrumental sur Tableau, qui me colle cette affaire-là de... droit d'auteur, tu peux plus monétiser tes beats à cause que t'as une vidéo qui a des droits d'auteur, puis que j'ai fait fuck it, je l'ai supprimé. And this shit is a hit, là. It's a huge hit, là. Mais est-ce que ça va arrêter la monétisation des autres clips à cause de ça? Yeah. Ça que tu dis, fait que t'avais pas le choix de le supprimer pour débloquer. Yeah. C'est whack. Mais c'est sûr que moi et lui, dans le futur, il y aura d'autres choses. On espère. Je pense que c'est un bon... Ben oui, la complicité dans ce track-là, je suis comme, yo, ces gars-là, ils faisaient ses affaires, tu faisais tes affaires, mais yo, this is a fucking big track, là. Ouais. Correct. T'as pas touché le couch. Je peux poser mes questions par rapport ou t'étais... Ben vas-y, là, de toute façon, you know. Toi, est-ce que t'avais un sport quand t'étais jeune que tu jouais? Ouais, soccer. Ah, t'étais un gars soccer marocain, ouais. Ok. Fait que t'as joué pour l'équipe à Saint-Léonard, t'as joué, là. Ouais, j'étais sportif, même. Mmh. Ah ouais! Ah, c'est un texte là! Ouais, sport études, secondaire 1, secondaire 2. Ok. Sport études, secondaire 1, secondaire 2. Puis ensuite, t'as vu, tu te faisais pas payer, t'as dit fuck it? Ou qu'est-ce non, que c'est pas ça, c'est juste quand t'es sport études, pour vrai, c'est une grosse fraude. Parce que moi, j'étais smart, tu comprends? J'avais pas besoin de 5 cours par jour. Sur sport études, tu finis l'école à midi. Moi, pendant 2 ans, je finissais l'école à midi. Ah, straight up! Ben oui, c'est terrible, mon gars. Sport études, c'est terrible. Ok. Sport études, c'est terrible, mon gars. Ok. Yo, t'arrêtes pas de regarder la cigarette, mais on est stress? Non, parce que c'est long. Ouais, c'est vrai, parce que je vois que. Non, tu me mets mal à l'aise, là. Ok, là, sorry, là, sorry. Tu me mets mal à l'aise, bro. Depuis tout à l'heure, tu regardes la cigarette. Oui, parce que je vois que ça allait tomber. Ok, c'est correct. Ça va pas tomber, bro. T'inquiète pas, juste à regarder, bro. Oui. Là, c'est cool. C'est vrai que ça me stresse, on dirait que je suis comme, est-ce que c'est gonna fall? Non, je prends une poivre, je mets la cigarette comme ça, je vois, tu la regardes. Ouais, Serrano is gonna be okay, don't worry, Serrano. T'inquiète pas, même si elle a la sonde par terre, j'ai ramassé. Là. Ok. Je suis pas un salope. Ok. mais pourquoi ça finit après 2 ans sport-études? Ça a fini, Ben. C'est toi qui as arrêté ou parce que le programme a continué ou? Le programme est encore là, okay. Là mais
Sans ça arrête, man, tu sais, question financière, question aussi, question. Ah, ok, stress. Tu dois payer pour. Tu payes plus? L'étudiant ouais. paye. Ben oui, tu payes. Ouais, it is. Ah, c'est plus cher pour les parents pour que mettre leur enfant en sport études. It is. Ouais. Shit, ok, ouais. ok, ok. Puis moi, tu sais, j'étais vraiment là pour finir l'école à midi, tu comprends? C'était ouais, ouais. ça, c'était cool. C'est comme tu finis l'école à midi, tu vas jouer au soccer. Pas l'année longue. L'année longue? Ou hein? L'année longue? Premier jour jusqu'au dernier du jour. Du lundi au vendredi, à l'année longue, tu finis à midi. L'année longue, tu finis l'école à midi. Shit. Ensuite, tu joues au soccer. Exact. Tu vois, tu joues au soccer. Mais ça, c'est pour les gens qui sont bons, comme. C'est pas tout le monde. Ben oui. Yeah. C'est comme le programme, comme il est fait, eux, ils te le raccourcis. Donc, t'es mieux de comprendre les affaires vite. Oui, oui, oui. OK. Pour pouvoir jouer. Shit, ok, c'est real, man. Sport-études à Saint-Ex, soccer player. Mais ça, that's what I thought you would have been anyways. Mais sinon, est-ce que tu avais un autre sport que tu as joué? Un autre sport, non. Ok. J'ai peut-être joué un peu vite au hockey. Ah, tu sais patiner et tout, là? Non, pas vraiment. Non, ok, il y a jamais dit qu'il patinait. Hockey Kozom. Kozom, ouais. Ouais, j'étais fort au hockey Kozom aussi. Ah ouais? Ouais, ouais. J'avais un petit wrist shot. C'était quoi ta position? Tout le monde était fort au hockey Kozom. Ouais, c'est plus facile. C'est le fun. Pas tout le monde était fort au hockey Kozom. Ouais, c'est pas du vrai hockey. C'était pas sur glace, c'est pas du vrai. Ouais, ouais. Ok, tu sais pas patiner. Tu sais nager? Ben, je sais patiner, mais je sais pas patiner comme ça. Ouais, je sais nager. Ok, ok. Straight up. Est-ce que t'es un gars qui cuisine? J'essaie des fois. T'essayes des fois? Non, j'essaye. Mais... Il se débrouille. Si tu vas à un resto de déjeuner, tu commandes quoi? Deux œufs avec purée de pommes de terre. Et deux fromages fondant par-dessus la purée de pommes de terre. Mmh. Puis le saucisse au bœuf. Mmh. Oh, okay. C'est ça, ils mangent pas de porc, là. No bacon. Ah, moi, est-ce que... Mais si, quand t'es en prison... Non, mais je mange pas de porc, c'est pas à cause de la religion, là. C'est à la base. Mais quand t'es en prison, est-ce qu'ils ont une assiette alternative pour les ouais, gens? Ils ont... Quand t'arrives, ils te demandent, nanana, t'as des allergies. Si t'es musulman, t'as une diète halal, si t'es juif, t'as ta diète. Ah ouais, ouais, ils ont ouais, tout ils ça. Respectent ça, ouais, ouais. Puis souvent, les diètes, la nourriture est plus fraîche que... Ah ouais? Ouais, parce que la nourriture faite, pour, par exemple, pour les musulmans, c'est fait comme en moins dans une moindre quantité. Tout ce qui est fait en une moindre quantité a plus de qualité. Les affaires que c'est fait pour tout le monde, ben c'est fait en grande quantité. Sur les affaires comme... Okay. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Yeah, that makes sense. Une grande question pour VT. Est-ce que VT a déjà été en amour? Non. Do you believe in love, though? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que tu planifies te marier un jour? Non. Peut-être que je suis jeune puis que je me dis ça. Ouais, ouais. Je pense pas. Peut-être que je vais me marier un jour. Peut-être. Peut-être. C'est pas dans les plans présentement. Peut-être. Mais je vais pas avoir d'enfant, ça c'est sûr. Ah non, ça, oui! Why? Ouais, je vais pas avoir d'enfant. Straight up. Mais imagine, tu trouves la femme de ta vie, mais elle veut, she wants 3 kids, 4 kids, puis tout. On adopte. Wow. Ok, très bien pour adopter, mais pas... Mais not procréer. Why? Mais il y a du monde qui vont penser que c'est peut-être une réponse immature. Ou... Non, c'est ta réponse. Non, c'est ton parce que t'as déjà dit adopter. Je pense que dans 5 ans, je vais avoir la même réponse. Je vais pas avoir d'enfant. Je vais pas avoir d'enfant. Je vais adopter. You still want kids, so c'est pas comme si t'étais fermé aussi à l'idée. Je sais pas, je préfère adopter. Adopter. Pas adopter. C'est fou ça, parce que. Ça, si j'ai un problème avec l'enfant, je dis, t'es même pas mon enfant. Non, mais pour de vrai, sans léser, je préfère adopter. Je sais Straight pas. Up. Puis adopter, genre, yo. Je vais bien regarder l'enfant, puis je vais me dire, quatre, lui là, ça va être un génie. Pour de vrai, j'ai même pensé à adopter un chinois. Ah ouais? Ouais, un chinois. Freedom. Toi, t'es enfant unique? Non, j'ai un frère. Okay. Toi, t'es l'aîné ou le Benjamin? Je suis le plus jeune. C'est quoi, Benjamin? Benjamin, ouais, c'est le plus jeune? Ouais, c'est ça. Ah, je suis le
Chez Benjamin. Ok. Mais est-ce qu'il est impliqué aussi dans la musique aussi avec toi ou il est vraiment comme. Il est pas impliqué dans la musique puis tout ça? Pas avec moi, man. Non. Ah, ok, ok, vous travaillez pas de la musique, ok, ok, ok. Non, c'est mon grand frère, man. C'est ouais, ouais. That's it. Yeah, yeah. J'essaie de te guider vers le droit chemin. C'est pas chemin. Vraiment. Non, non. Même pas? Non, ok, ok. Non, non. Je suis moi-même, man. Ok. Mais c'est juste mon grand frère de statut, tu comprends? Ouais, ouais. Mais t'as pas de relation avec lui comme ça? Ou... Non, non, non. Non, pas ça. C'est pas mon ami, c'est pas mon. Je traîne pas avec lui, okay. Je parle pas souvent avec lui. Ok, ok. C'est juste ma famille, tu comprends? Straight up. Toi, growing up, est-ce qu'il y a des artistes que tu écoutais à Montréal avant? Tu sais, les OGs ou whatever. C'est qui les influences qui a vraiment marqué la vie de VT au niveau musical? Enima. Enima. Mm. Dans le rap de Montréal, Enima? Ouais, Montréal, ouais. Écoutez Enima. Lost. Lost. Mm. Enima Lost. Wow. Lost, j'ai commencé à l'écouter. Mais je l'écoutais pas vraiment. Mais quand il a sorti son beat là, 3-0 passe la mallette. Ouais. 3-0, c'est ouais. 3-0 ou 3-0? C'était 3-0 passe la mallette. Le beat il s'appelle comment? 3-0? Je pense que c'est 3-0. C'est 3-0 ou 3-0 passe la mallette? Non. Il y a un passe la mallette aussi. Fait que je pense que c'est 3-0 passe la mallette. Mm-hmm. Je suis pas sûr là. Ils vont checker pour nous, c'est correct. Ouais, ouais, ouais. Quand j'étais jeune, les beats que Montréal que j'écoutais, 3-0 passe la mallette. Enima, puis. Enima, poche gonflée. Enima, MMS. À part ça, j'écoutais pas vraiment de rap Montréal. T'es non, plus oui. Français ou américain? Français de France ou américain? Américain. Ah, ok, ok. Yeah. Américain. Toi, c'est qui tes top américains? Pour l'instant, on live, là? Mm-hmm. Ouais. Je peux pas dire. Sur qui t'as grandi? Live! Ah, sur qui j'ai grandi? Ouais. Bon, j'ai grandi sur rien. Je sur rien, mais eux que j'écoute live, peut-être live, c'est 5 Yo. Oui, 5 Yo Foreign, j'aime bien. 5 Yo, 5 V, Tory. Tory Lane, ça c'est Toronto, what up? Yeah. C'est yeah. Ça, pour de vrai. Moi, je suis pas quelqu'un comme pour de vrai, j'ai pas Spotify. Je suis sur Spotify, mais j'ai pas Spotify. Ok, ok, ok. J'ai pas Spotify, j'ai rien. Mais quand j'écoute pas la musique, t'es dans la voiture ou quelque chose, t'écoutes rien? J'ai pas de voiture. J'ai une application pour télécharger des musiques. Attends, check ça, j'ai de la source de live. Je vais te dire les beats que j'ai téléchargés, ok? Mmh. Yeah. Comme ça va être clair et simple. Ouais. Check VT, man. Il y a un buzz musical, puis il est comme, I don't listen to this artist, man. Mais c'est pas, j'écoute. C'est juste, j'ai pas Spotify, j'ai rien, check ça, hein. Premier beat que j'ai. Adele, Skyfall. When the sky falls. Ouais, ouais, Adele, en plus, elle a bien mis. Ouais, ouais. Post Malone, Circles. Mm. Ok. Attends, c'est quoi ce track-là? Dance Monkey. Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ok. Lil Tecca, Shots, Ransom, Cometazine, Pop Smoke, Fredo. 5 Yo, c'est mal en français. Polo G, Capella. Beaucoup de variétés. Enima. Ça, t'es varié. David Guetta. Mm. Nino, San Blas. Ndiga Toronto, Sarah Baby, Indila. Ok, mais j'aime bien. Adela Enima. Ouais, damn, j'aime le fait yo. Que t'as du pop aussi. Moi aussi, j'aime le pop. Fait qu'il faut être ouvert musicalement. Yeah. Je mais pense frérot, que c'est, bien. C'est pas toujours. Parce que le monde qui écoute des affaires gangsta shit, tout ça, c'est toujours H24. Ils essaient de se faire croire quelque chose. Ouais, donc, ouais. Ouais. C'est pas parce que t'écoutes des affaires gangster que t'es un gangster. Là. Straight up. Donc, des fois, il y a des trucs comme. Si t'as l'oreille musicale, il y a des trucs que tu vas aimer, des belles mélodies, des ci, des ça. Des trucs qui vont te mettre dans un bon vibe, des trucs qui vont te mettre dans un vibe plus comme pensif. Really moi, j'écoute tout. Ça, c'est bien. Moi, je suis down avec ça. Parce non, j'écoute faut... tout. Ouais, ouais. Non, that's good. Quand la dernière fois, t'es allé au Milanos.
Pourquoi Cyrano doit toujours commencer avec des affaires comme ça? Ah, c'est Cyrano, man! Ça fait un petit bout, parce que là, avec le confinement, je crois que j'ai même appelé pour voir s'ils étaient ouverts à ma donné. Moi, si je te dis, on peut me catch au Milanos à Saint-Léonard de temps en temps, man. Il n'y a pas juste le Milanos à Saint-Léonard. Oh, mais c'est un gros sandwich, pote. Ça fait longtemps qu'ils sont là quand même. Yeah, là, it is. Oh, mais le monde est devant là parce que yo, ça ferme vraiment tard. Tu comprends? Quand tu finis. Oui, c'est 24. C'est un des seuls trucs qui finit tard. Ouais. Ça fait un petit bout que t'as pas été. Milanos? Ouais. Comme tout le monde, man. Et ça serait quoi? Si je suis à Saint-Léonard, je viens d'un Haitian food, tu me recommanderais d'aller où? Episcay. Saint-Léonard, Episcay, bro. C'était dans le Saint-Léonard? Ouais. J'ai deux trucs pour toi, attends. Man. Il y en a un, j'ai oublié le nom, man. C'est sur. Tu sais, tu vois le Tony Depp? Tony Depaneur? Tony Depaneur. Sur. La Voisie? Ouais, La Voisie. Mm-hmm. La Voisie, Provencher. Provencher, oui. Je ne pas, je me trompe. Ah non, il y a Episcay aussi qui est d'autre. Moi je vais manger. Non, je vais dire live, c'est quoi le nom de l'affaire? Tu connais Episcay, Kainza? Ça te dit quelque chose? Hein? Episcay? Non. C'est vraiment nice. Non, je n'ai pas internet. Mais attends. Ah, ok. Regarde. C'est sur la voisine. Ok. À côté du Tony Depaneur. Quand tu vas dans un Haitian restaurant, tu commandes quoi toi? En général. Lalo, griot, poulet, plat poulet. Fritaille. Plat poulet, mais moi, j'aime pas trop la viande, tu comprends? Je prends un légume. Quand je suis sur place, pas au téléphone, mais quand je suis sur place, je prends un plat juste comme plat riz. Plat riz avec salade, puis extra macaroni. Ok. Dans le fond, je prends tout le riz, je mets la sauce, la salade, je prends le macaroni, je le mélange au riz. Ouais. Là, tu me donnes faim, là. Non, cap. Ouais, il y a une touche comme là, tu me donnes faim, non, cap. En plus, j'ai pas mangé aujourd'hui. Celui-là, vraiment, tu me donnes faim. Ok, ouais. We're going somewhere right now. Ok, ça, c'est de l'allure, ça. Ouais. Est-ce que tu manges du piclis, toi? Ouais. Ça fait partie du mélange. Oui. Tu prends le riz, tu mets la salade avec la sauce, pickles, macaroni. Ah, t'as un bon riz là. Straight up! Sans viande en plus. Fais-moi les bananes, tu vas manger des bananes frites? Non, j'aime pas. Je peux pas dire que j'aime pas parce que j'ai jamais goûté, mais moi j'ai toujours été un gars que. Le sucré, c'est avec le sucré. Le salé, c'est avec le salé. Les choses qui sont supposées être sucrées doivent rester sucrées. Les bananes, toi qui dis, ok, je comprends. Ça veut dire tout ce qui est supposé être sucré doit rester sucré. Tout ce qui est salé doit rester salé. Ce que tu veux dire. Les affaires de banane plantain. Salé, ouais. Dans un plat salé. Les affaires générales Tao. Sucré avec du salé. Ouais. Non. Ouais. Ce qui est salé doit rester salé. Ce qui est sucré, supposément sucré, doit être sucré. Je comprends. Ça veut dire des bananes, plantains. Ouais. Je sais même pas si c'est salé ou sucré, je peux pas te dire. C'est salé ou sucré? Ouais, mais ça dépend. Ils peuvent le faire sucré aussi. C'est comme ça. Les Jamaïcains vont le faire sucré eux autres. C'est les Haïtiens qui le font salé. C'est pas créole. Les Haïtiens, en général, ils le font salé. Mais c'est vrai que la plantain, banane. Puis c'est ça, banane sucrée, fait qu'il y a les deux. Ok, on peut faire les deux. À la base, il y a les deux. Banane salée, là. En général, ouais. Pour moi, ça fait awkward, ça fait weird. Ouais. Jamais manger ça. Ouais. Dans ma tête, c'est sucré une banane. Ouais, avec une bonne sauce là, avec piquis dessus là, tu serais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Un bon frita là, tu serais très étonné. Un bon petit frita là. Non, mais je suis fermé moi. Dans ma tête, je suis vraiment fermé au niveau de. L'alimentation, puis ouais, je suis fermé. Ça veut dire que je suis quelqu'un de close mind. Until you find the right girl qui va dire yo, maybe we should try this. Non. Non. Non, même pas. Non, right girl ou pas right girl, là. Banane plantain. Une banane, c'est sucré, ok? Jamais je mangerai ça. Puis, dans ma tête, c'est déjà pas bon. So, vu que dans ma tête, c'est pas bon, quand je vais goûter ça, je vais trouver ça pas bon. Ouais. So, c'est déjà pas. C'est pas right. Tu manges du poisson? Non. Pas de fruits de mer, des crevettes, homard. Fruits de mer, crevettes, calamar. Calamar. Calamar, calamar. Ouais, calamar frit ou. C'est calamar ou calamar? Calamar.
En anglais, c'est calamaries. En français, c'est calamar. En français, c'est calmar. En anglais, c'est calamaries. C'est sûr. Oui, c'est calmar. Tu checkes? Vite, vite. Parce que moi, dans ma tête, c'est calamar. En français. Je vais pas me tromper, je vais pas. Mais c'est bon, c'est bien francisé, dans le sens calamar puis calmar. C'est calmar ou calmar en français? C'est calamar, I guess, mais nous on mais dit. Mais tu veux dire calmar? Mais moi c'est comme ça que j'ai toujours dit, c'est calmar. Je dis en français, calmar. C'est calmar. En français, c'est calamar ou calmar? Squid. Tu l'as écrit en anglais ou en français? Est-ce que c'est calmar ou calmar? Ça, mais décris-le, c'est quoi un calmar? C'est quoi qui est supposé? C'est calamari, et puis. Qu'est-ce que ça me fait, c'est calamari en anglais. C'est ça, c'est calmar. Calmar en français. Je savais pas. Mais j'avais toujours un doute sur ça. Mais à Montréal, c'est aussi le franglais, fait que toi, on mélange les deux. On s'en fout un peu à Montréal. Ouais. Oui, on est très bilingue. Mais est-ce que toi, tu penses que ta musique, qui est aussi franglais, est-ce que tu as des fans que tu as vus avec les statistiques et tout ça qui viennent de Belgique, de Suisse, de France? Est-ce que tu as un fanbase international que tu as vu qu'ils ont reach à toi? Ouais. Ouais. Ah, oh, ben oui. Non, mais c'est. Ouais. En France, il y a beaucoup. Beaucoup en France. Il y a beaucoup, mais. En France, déjà, ils reprennent nos styles, tu comprends? Nous, on est des Français d'Amérique. C'est comme ça qu'on s'appelle. Moi, on est des Français d'Amérique. Des francophones d'Amérique. Yeah. On est des francophones d'Amérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les francophones, surtout de France, qui vont essayer de copier le style des États-Unis, nous copient. Viti, il donne un gros toc, là. Nous copie nous parce que nous, on est les francophones d'Amérique. Ça veut dire si nous, on prend les mêmes cultures que les États-Unis, on prend les mêmes traditions que les États-Unis, c'est notre droit. Parce qu'on vient du même continent, on est à côté, on est à 6 heures de New York, tu vois. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que nous, on est francophones d'Amérique. Ouais. On a le droit. C'est ça. Eux, quand ils vont faire une affaire qui ressemble à ce que nous on fait, c'est de l'imitation. L'imitation, à propos de qui? Ils nous imitent, nous. Tu comprends? Nous, on est en avant sur cette vague-là de États-Unis, parler en franglais, donner des slings en anglais, mélanger le français et l'anglais. Tu comprends? Nous, on est en avant. C'est notre culture à nous, là. C'est notre culture, c'est notre droit de mélanger l'anglais. Tout notre pays... Le franglais, ouais. Il est anglophone. On est les seuls francophones. Ouais. Si tout notre pays est anglophone puis on est francophone, c'est normal qu'on parle franglais. Ouais. Si toi, t'es en Europe, là, tu viens à Paris, là, tu vas mélanger l'anglais et le français, là. Pourquoi tu le fais? Tu sais que c'est de l'imitation. Puis, ça augmente de plus en plus en France. Ils n'ont pas le choix de check-up. De check-up sur nous, tu comprends? Mais est-ce que tu sens qu'il y a ce respect-là ou cette reconnaissance of the music ou la culture franglaise du Québec ou de Montréal par rapport aux Européens ou aux Français? Est-ce que toi, tu sens que t'es comme « yo »? Mais frérot, à un moment donné, un autre, ça n'a pas le choix de... De recognize. Pas le choix. Sinon, tu nous copies. Tu nous imites. Parce que c'est vraiment ça, honnêtement. Si tu as écouté les rappeurs, là, par exemple, 13 Blocks, ou comment ils s'appellent déjà? Zola. Les gars, là, ils ont plein peut-être 60 mots d'anglais dans leur musique. Mais t'es qui, toi, pour employer de l'anglais? C'est quoi ta culture? C'est quoi ta culture? D'où tu viens pour employer des mots en anglais comme ça? C'est quoi ta culture? De quel droit tu te permets de venir te prononcer sur le micro comme nous? Nous, on le fait pour une raison. Tu comprends? Real talk. On le fait pour une raison. C'est notre culture. Le franglais, c'est notre culture. Il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Le mélange de l'anglais et le français, c'est nous, les Québécois, les Montréalais, les Canadiens. Le Canada, je ne vais pas te donner des pourcentages là. La plupart, c'est anglophone. Ça veut dire, nous, on se déplace. Le Canada, c'est notre pays. Donc, quand on se déplace dans notre pays, on va ailleurs que le Québec. On est minorité. On parle anglais. Ouais. Toi, quand t'es en France, là,
Tu vas à Paris, tu vas à Marseille, tu vas à Nice, tu vas à Lyon. Tout français. Ouais, ouais. Tu comprends? Sur nous, ouais. Si on parle anglais, c'est notre business. Yeah. 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 So you speak English? Yeah, I speak English. Et il y a une grande communauté anglophone à Montréal aussi, tu sais, c'est pas... Puis même à Saint-Léonard, il y a une communauté, les Italiens sont là, On parle de West Island, on parle de NDG, on parle de Côte des Neiges. C'est notre droit de parler anglais, mélanger l'anglais puis le français. Ouais. C'est comme moi, eux, ils sont là de l'autre bord, puis ils le font. Pourquoi nous on le ferait pas, puis qu'on est... Ouais, c'est notre identité à la base. Mais c'était quoi la question à la base? Mais à la base, est-ce que tu penses que le franglais est reconnu comme une identité ou que... Non, c'est pas ça la question. Je pense qu'on s'est perdu un peu de la question. Mm-hmm. Mais c'est ça, il y avait une autre question avant ça. Ouais, c'est la politique. C'est ça. On devient gagné, on a faim. Il y avait une autre question. Mais est-ce que tu sens qu'à l'extérieur, ils reconnaissent genre la scène de Montréal, genre... Ils font un début à tout, man. Parce que toi, t'as des fans aussi, t'as vu, t'avais des fans un peu... Est-ce que tu sens qu'il y a ce love? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont reach? Est-ce qu'il y a des labels? Ouais, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont reach? Ben, des labels. Ça commence. Ouais. Mais en tant que Marocain, est-ce que t'as de la famille en France? Ouais. Ouais, quand même, ouais. Ouais, j'ai de la famille en France. J'ai de la famille partout en Europe. J'ai de la famille en France. Fait que ça facilite... All Allemagne, all Espagne. OK. Mais comme t'as dit, I don't catch feelings, I catch flights. Tu comprends? Fait que je pense que. C'est pas le premier qui l'a dit. Moi, juste réponds. Non, c'est pas le premier qui l'a dit. C'est... Mais c'est un signe maintenant qu'il dit. Sorry. Il y en a d'autres qui le disent. Tu sais. Mais là, c'est un. Mike Zoff le dit aussi, il me semble, dans un rhyme. Ouais. D'autres personnes le disent. Mais je pense que oui, ça serait bien de catch des flights, puis tu vas checker la famille, l'autre bord. Puis en même temps, tu vois, you breathe the air. Tu viens maintenant avec des nouvelles chansons. Tu peux maintenant aller avec un video guy, shoot des clips l'autre bord. C'est ça, après le COVID puis tout ça. Là, après le COVID, ouais, mais je pense que ça serait très intéressant. J'ai un peu à sortir du pays pour plus qu'une semaine, là. Ouais. Hein? Je peux pas sortir du pays plus qu'une semaine, non. Ouais, mais là, pas... ouais, pour l'instant, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour musique avec permis de travail, je pense que ça peut être possible. Oui, c'est un permis de travail que ça prend. C'est des longues procédures. Ouais, ça, c'est l'avocat qui peut te dire. C'est ça. Quand VT va, you know, on the come up, puis sur son tour, everything's going to be good for that. On n'est pas équel là-dedans, mais est-ce qu'il y avait aussi... parce que je pense que... Je sais pas si c'est le COVID avait stop ce show-là, mais il y avait un show au Club Soda qui devait se faire. Genre, t'étais sur le line-up. Je pense que Soubirz était là aussi. Attends, c'était le... Pas le Run Fest? Non, pas Run Fest. Il y avait un autre show où il y avait différents artistes qui étaient dedans aussi. Ça a été cancellé? I think à cause du virus. Non. Ça devait être en avril. Non? Ouais, il y avait Soubirz dans le show. Ouais. Il y avait d'autres artistes. Mm-hmm. Mais ça a pas été, le show n'a pas été cancelé. Je pense que le show a été quand même fait, si je ne me trompe pas, bien sûr. Toi, tu t'es pas prêté aux autres. Non, c'est pas ça. C'est que les policiers, les policiers, rendus là, ça peut être le gouvernement, ça peut être, ça peut être les fédérales, juste rien à foutre. Tout ce que je sais, c'est que il y avait des promoteurs qui m'ont booké pour un show. Puis que finalement, je sais pas qui parmi ces crochants-là ont contacté, même pas le booker, lui qui loue la salle, le owner du Club Soda. Il a dit, si ce gars-là, VT, performe, on cancel le show au complet. Ça, je n'ai pas vraiment parlé, tu comprends? J'ai pas essayé de faire du gros bruit avec ça, de coller, tu comprends? Mais les cochons, ils ont contacté le owner du Club Soda, puis ils l'ont dit, si VT performe, on cancel le show. Oh my God. Puis, tu sais, je comprends. Puis le promoteur m'a dit, oh, non, on peut plus t'avoir sur le show, parce que non. Je comprends totalement. Je comprends. Comment toi, tu peux... T'essaies juste de make a living, tu comprends? Puis on essaie de t'en... Imagine, tu me bookes moi. Ouais. Tu payes une certaine somme pour m'avoir. Ouais. Puis tu payes pour d'autres personnes, là. Puis on fait juste annuler le show. À cause de moi. So, tu perds tout l'argent que t'as mis sur toutes les autres personnes. À cause de moi. Yeah. Oui, j'étais le main show, mais...
Frère. C'est ça la rue, man. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est, parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Ouais. À Montréal, des vrais street niggas qui font du dirt dans la rue. Mais il n'y avait pas que la police aime pas. Puis qu'elle les aime pas au point de canceller leur show. C'est ça, mais il n'y avait mais pas de pas raison valable. C'est qui ça arrive, là. C'est une histoire qui se répète. C'est vrai que tu le dis. Non, pourquoi? je suis pas le premier à qui ça arrive. T'es pas le premier, t'es pas le dernier. Mais attends, je vais donner un cours, c'est ce que t'as dit dirt. Puis voilà pourquoi j'ai dit gang shit, c'est mon track, hein. Je suis dans le dirt, je suis dans gang shit. C'est pas ça que tu dis? Yeah. Exactly. Puis là, il vient de le répéter maintenant, parce que c'est du real talk. Puis j'adore ce track-là, parce que c'est gang. Et puis, c'est gang. C'est une histoire qui se répète, mais c'est quand la réalité, la musique reflète une réalité. Mais c'était pas le motif, though. C'était pas le motif de dire « he cannot perform, though ». Enima, ils l'ont freiné. Ouais, K-Benz aussi l'ont freiné. K-Benz aussi, je savais pas. Ouais. K-Benz aussi, ils l'ont freiné. Sans show. Yeah, à cause de la rue, à cause que le partner, c'est vraiment un real shit, nigga, puis il rappe à propos de la rue, puis il y en a d'autres, là. Mais c'est ça, fait que c'est pas un motif, dans le sens que tu fais de la musique, c'est de l'art, fait. Il y avait l'autre là, Kegun. Ouais. Il y avait pas shout out, mais yo. Y avait non, c'est du real talk. Ils l'ont freiné comme. Il y avait l'autre. J'ai pas de. Ils ont freiné son show là, métro, j'ai vu. Ouais, au métro. La police, c'est comme ça. Là, je pense, il y avait une affaire, je pense que. Je pense dans un club. Mais tu faisais un truc. Pourquoi moi, je pense que c'est pas comme eux. Parce que moi, je pense que je vais faire d'autres shows, puis ils vont encore les freiner, puis ils vont essayer jusqu'à qu'ils ne peuvent pas. Non, ils vont pas continuer. Que, non, ils vont le try, mais je peut-être. Je te le dis, mon gars, je te le dis, je sais de quoi je parle. Premier show que j'ai eu, j'avais 17 ans. J'ai fini mon show, je suis sorti du show, Eclipse, ils sont venus, ils nous ont arrêtés. Arme à feu, ils nous ont tous sortis de la whip. Oui, toute la whip, ils n'ont rien trouvé. Nous on sur le collimateur là. Nous on sur le collimateur. Puis trust moi que maintenant, avec tout ce qui se passe, toutes les histoires, toutes les. Tu comprends? Trust moi qu'ils vont pas nous laisser faire un show. Jusqu'à que il y ait une solution légale qui se trouve à ce que je puisse faire un show. Comme Enima. Tu sais, quand tu rappes trop explicite. Puis que ça se trouve que ce que tu dis. C'est du real talk. C'est vrai. Puis eux, ils le savent que c'est vrai. Parce que ça se trouve que ce que tu racontes. Ça coïncide avec des enquêtes. Puis que si ça, c'est shit, man. Ce gars-là, c'est vraiment une menace. Faut pas qu'on le laisse performer. Jusqu'à temps qu'il y ait un promoteur ou un organisateur. S'ils ont le pouvoir de pas te laisser performer, ils vont le faire. Pour le groupe Eclipse. Shout-out à eux. Bande de salopes. Jusqu'à temps qu'une organisation ou promoteur sérieux dit, you know what, I believe in VT brand. Exactement, j'ai un promoteur sérieux qui n'est pas débutant, qui connaît la game, va se dresser devant eux. Yeah, I think qu'un promoteur ne se dresse pas devant eux, ils vont faire tout leur caïdage nécessaire, ils vont avoir ce qu'ils veulent. Un promoteur qui peut prendre ce risque là, c'est que il y en a pas beaucoup des promoteurs comme ça qui sont dans la game puis ils connaissent la game. La plupart des promoteurs qui bookent des artistes de Montréal sont nouveaux dans la game. Je peux donner un talk pour pure props à Ricky D. Mais c'est ça, c'est un des seuls. Ouais, Ricky D, je peux donner ce talk là un des seuls qui va se dresser parce que je sais qu'il y avait... j'en connais pas d'autres, puis on m'a parlé de lui. On m'a parlé de lui. Je suis surpris que ce youngin là connaît Ricky D. Ouais, mais Ricky D, c'est un old school, ça fait longtemps qu'il est là. C'est pour ça que j'aime VT. On m'a expliqué. Après, tu sais, j'ai posté l'affaire de Catman, la police, Pablo, mon show, nanana. On m'a expliqué. J'avais parlé avec White B. White B m'a expliqué comment que ça marche. Puis que ça lui est déjà arrivé que les polices ferment son show. Puis il m'a dit qu'il te faut des. Booker sérieux, puis il m'avait parlé d'un certain Ricky D. Il m'a dit que shit, man. Tu peux pas booker un show avec un promoteur qui a peur de la police. Oui. Tu bookes un street nigga, tu dois savoir comment ça marche. Oui. Parce Real que talk. Depuis que t'as un show puis que t'as pas un promoteur sérieux, la police a juste à faire un call.
dire deux, trois mots menaçants, puis c'est bon, là, t'es plus dans le show. Exactement. Là. Yo, les promoteurs, écoutez bien ce qu'il dit présentement, parce que c'est un talk pour tous les gens qui veulent entrer dans le game, promote des shows, faut pas avoir peur, faut connaître ses droits. Exactement. Continue, faut connaître ses droits. Yeah, that's par contre, good, yeah. L'affaire avec la police, c'est que eux, quand ils jugent nécessaire que à cet événement-là, il y a un danger, mm-hmm. ils ont le droit de fermer l'endroit. Mm-hmm. C'est-à-dire quand ils jugent qu'il y a des activités de gang de rue, mm-hmm. des activités de ci, des activités de ça, puis ils jugent avec un certain facteur, mm-hmm. puis fort probable qu'à cet endroit, il y aura la violence, puis de ci, puis du recrutement, puis ci, ça, ils vont fermer le show. Mm-hmm. Puis ils ont le droit. Mm-hmm. Ils ont le droit, mais tu sais... Là, rendu là, ça rentre dans les lois, puis si ça, il faut que tu t'arranges pour que shit get happen, you know? Et Ricky D connaît son shit, lui. Alors Ricky D, man. C'est un gros, un OG dans le game, triple OG in the game, un promotional game. Shout-out à lui, shout-out ouais. à lui, j'ai juste entendu du bien. Mm-hmm. Fait qu'il faut être sérieux, hein, parce que je pense qu'il manque des promoteurs sérieux dans le game pour mm-hmm. que le game continue à frérot, avancer, évoluer. Tu veux booker un shoot, nigga. Tu veux... Toi, dans le fond, là, t'es un booker. Mm. Tu veux juste booker des gars qui font du rap. Mm-hmm. Les gars qui font du rap, ils rappent à propos de quoi? Mm. Ils rappent à propos de la rue. De la rue, ouais. Mm. Sauf tu veux booker des gars qui rappent à propos de la rue. Mm-hmm. Mm-hmm. Là, tu bookes un gars que quand il rappe à propos de la rue... Il rappe à propos de lui, tu comprends? Il rappe des trucs vrais. Mais assume, bro. Assume les conséquences qui viennent avec. Sinon, frérot, tu peux aller booker Loud, tu peux aller booker Si, tu peux aller booker Fouquet, comment il s'appelle? Fouki, tu peux dire, bro. Pas besoin d'aller booker un VT ou aller booker un Si, aller booker un ça, là. Va booker des gars que. Mais si tu bookes un VT, ben va tu aller sais, booker là. Des anticipateurs, va booker un Tizo, va booker un. Un chemise. Pourquoi ça allait booker des vrais shoot niggas pour après, quand ça arrive, les affaires... T'es stressé. Sinon, va booker Tizo. Va aller. Mais c'est ce que l'assurance coûte plus cher quand tu bookes un street nigga. Là, faut que tu renforces la sécurité. Il faut que tu assures que... Mais si à fanbase... Mais si à fanbase, oui, ça va vendre des billets. C'est comme, oui, il faut que tu puisses mais prendre six sécurités de plus. Tu veux booker le rap. Le rap, là, c'est né de où? C'est né de la criminalité. On va dire les vraies affaires. De la rue. Je ne veux pas dire la criminalité, mais c'est de la rue. Non. On va dire les vraies affaires. Ouais. Le rap, ça vient de la criminalité. Ça vient de la pauvreté. La pauvreté. Ça vient... Non, attends. Pas la criminalité. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça vient de la pauvreté. Attends, laisse-moi m'expliquer. Oui, OK. Ça vient de la pauvreté. Des gars qui n'ont rien. Des gars qui ne se sentent pas bien dans leur vie. Ouais. Des gars qui ont besoin de quelque chose qu'ils ne peuvent pas acquérir parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ouais. Ça veut dire logiquement. C'est quoi la suite logique? Des criminels. Ouais. Des gars... Les hustlers, peut-être. Exactement. Mmh. Quand je dis criminels, je ne dis pas des gars qui vont braquer. Des gars qui font leur affaire. Ouais. Pas légal. Ouais. Mmh. Ça veut dire, le gars peut te vendre la drogue. Le gars peut te vendre une télé volée. Le gars peut... Tu comprends? Le gars peut faire de la fraude. Mmh. Le rap, à la base, ça vient de gars qui sont fâchés et qui veulent exprimer ce qu'ils pensent. Leur mécontentement. Mais pourquoi le gars est fâché? Mmh. Tu penses que le gars est né dans un mansion avec des parents riches, puis il est fâché, puis il va rapper? Pourquoi? De quelle raison le gars... C'est ça, c'est possible, va rapper, mais c'est va être fâché? Ouais. Non, mais pourquoi le gars va être fâché? Ouais, c'est vrai. Le gars, je dis pas que le rap c'est juste des criminels, je dis que le rap est né dans la criminalité. Ouais. Dans la struggle, straight up. Gros talk, man. Si on pouvait juste peut-être conclure avec cette question là, avant que le virus puis le COVID-19 arrive, c'était quoi ton plan 2020 toi? C'était quoi ton game plan pour dire yo 2020 yo I'm gonna do this, I'm gonna do that. C'était quoi ton game plan puis c'est quoi qui... Rien. Non? Honnêtement, rien, bro. Faire de l'argent, survivre. Ça t'affecte pas d'une certaine façon, le virus? Comment toi, tu vis ça, genre, ce confinement-là? Est-ce que t'as plus de temps pour toi? Est-ce que t'as plus de temps pour tes amis, ta famille, Reed? C'est comment toi, tu... Shit, man. Deadlock.
Deadlock, hein. Deadlock. Mais au moins, tu sais, t'as téléphone intelligent, télé, Netflix, PS4. T'écoutes Netflix, les téléséries, tout ça. Yeah. Ozark, t'as écouté Ozark? Ozark? Ouais, une petite. Non, là, je suis campé sur Blacklist. Blacklist. Vous avez déjà écouté Blacklist? Ouais, 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 je connais Blacklist. J'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Répondez-moi, mais pas trop loin. C'est qui, lequel des deux qui a écouté bien Blacklist? Non, mais je l'ai écouté au début, parce que ça jouait à la télévision au début, avant que ce soit sur... Non, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui a écouté jusqu'à la fin. Non, je suis pas à jour, je suis pas à jour. J'ai écouté comme les deux premières saisons, on va dire. Les deux premières saisons, je connais. Reddington? Oui, c'est ça. C'est quoi le lien qu'il y a avec la femme? Mais au début, c'est pas sa fille. C'était censé être sa fille. Mais ça, je veux savoir, bro. Si je te pose la question, c'est que je veux savoir parce que je suis tanné, bro. J'écoute le bail puis je comprends rien. Comme c'est censé être sa fille. Tout dit que c'est sa fille, mais le gars dit que c'est pas sa fille, puis que yo. Mais parce qu'il veut pas l'avouer. Peut-être que c'est. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une scène que, genre, peut-être, tout ce que ça disait, peut-être que, genre. Il y a une cause avec la mort de ses parents, mais qui se sentit mal. Oui, il prend soin de la fille. Oui. Comme si c'était son enfant, parce qu'il ne voulait pas que ses parents. En tout cas, c'est sa fille ou c'est pas sa fille? Moi, je pense que c'est ça. Ok, c'est ça. Vous dites Blacklist, vous dites On ne sait pas encore, on ne sait pas plus. Moi, je pense que c'est sa fille. Tu penses que c'est sa fille? Ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de regarder, parce que c'était bon quand même. Yo, vous avez regardé Blacklist? Toi, t'as regardé Blacklist? Tyler. Non. Ok. Je suis prêt sur le bout d'aller chercher sur Google. Le suspense est trop fort là. Non, tu regardes, yo, Raphaël, il y a 6 saisons. Tu peux pas attendre à la 6ème saison pour savoir c'est qui. Yo, c'est qui pour lui, COVID, on est en confinement, you have time to look at it. My nigga, 6 seasons? Oh my god. Skip à season 5 at least. Straight up. Oh, j'ai trop peur d'épisodes, mon gars, c'est trop lit. Fait que, oubliez pas de checker notre page Patreon. Shout out à Medusa Mastering. Si vous voulez avoir un shout out, vous devez être des ministres. Ouais. Pour être un ministre, c'est 20 good. Sinon, continuez à suivre les mouvements. L'interview va se continuer. Est-ce qu'il va drop un freestyle? Est-ce qu'il va drop des verses? On sait pas. C'est sur Patreon que vous allez seulement voir ça. Sur Patreon. Exactement. Fait que, pour conclure, c'est quoi ton message pour la jeunesse? Pour 2020, pour. Anything, man, que tu peux juste drop pour conclure l'entrevue, là. Ah, j'ai jamais été bon pour ces messages-là. Rap politique arrive. En conclusion. C'est le projet qui arrive, quelque chose qu'on peut s'attendre de VT. Shit. I'm there, man. I'm there. On va pas forcer les affaires. Moi, leur montrer, là, que yo. Je suis là pour de vrai. Il est là pour rester qu'on liste. Fait que shout out à toutes les sites de MTL, man. On a donné des talks aujourd'hui, but you know what I mean? It's all love. Yeah. Whatever you rap, whatever set you want to claim. Ouais. Nous, on n'a pas de problème. Dès que la musique est bonne, si t'es whack, t'es whack. On s'en fout de quel set que tu viens. T'es whack, t'es whack. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ça finit là. Ouais. Fait que shout out à vous qui nous écoutez, man. VT, on va continuer à suivre le mouvement. Yes. En espérant que. Tableau très bientôt, parce qu'on croit en son potentiel. Il est jeune, fait qu'il y a encore beaucoup de temps devant lui. Ouais, ouais. Fait qu'on va voir le développement. C'est quoi la suite? Shout-out Saint-Léonard, shout-out MTL, 514, Québec, 418, on vous voit. 819, on vous voit aussi, on sait que vous êtes avec nous. Yep. Fait qu'on vous amène vraiment dans les rues de Montréal présentement. Mais on vous oublie pas, les artistes de Québec, ils sont censés venir. C'est avec le confinement, c'est un peu dur pour eux avec les déplacements. Mais on attend pas mal plus de gens qui vont venir, inquiétez-vous pas. Yep. And we are like that. Rap politique. Le sud de Montréal. KK. Mr. VT. We out.